Bienvenue à tous, il est 18h31, j'ai une minute de retard, mais bon, c'est pas grave, par rapport au planning. Allez, c'est pas grave, donc on est parti, c'est DVD, bonsoir, j'espère que ça va, j'espère que vous allez tous bien pour cette début de soirée, pour cette début de soirée en ma compagnie, donc de 18h30 à 20h30. Donc c'est du Super Street Fighter 4 en début d'émission pendant à peu près une petite heure. Et puis Injustice qui va débarquer sur la O Gaming TV dès 19h30. Alors contrairement à l'autre fois, je pense qu'on va plus faire un petit peu... j'ai pas de théorie mais pas mal quoi. Là on commence par les défis. On ira faire quelques petits matchs. Je ferai pas beaucoup de matchs ce soir, on sera beaucoup dans l'explicatif. Et puis donc là on va commencer par quelques petits défis parce qu'on me les a réclamés autrefois, donc je vais les terminer. Je vais en terminer quelques-uns sur Yuken. Alors on a commencé avec Ken pour ceux qui viennent d'arriver. On a fait que les 6 premiers défis hein, qui sont pas très importants, c'est-à-dire boule, dragon, toutes ces conneries là. Aucun problème. Alors là en fait il demande de faire petit coup de poing debout et accroupi donc bas moyen point, ça fait tac tac. Success, bien sûr, aucun problème, Monsieur Ken. J'allais dire Monsieur Ken Bogard, mais c'est pas Ken Bogard, hein. C'est Ken, c'est Master Ken. Accroupi, bas petit point, accroupi, gros point, tac, tac, oh, raté, voilà, success, ok. Alors en fait, les défis en général, c'est pas forcément quelque chose de super super important. Dans les défis, il doit y avoir que 3-4 combos qui sont vraiment intéressants, le reste ça pue un peu. Hein. Alors, debout, moyen pied, debout, moyen point. Donc, moyen pied, c'est ça. Et après, c'est moyen point. Tac, tac. Attends. Pourquoi j'arrive pas? Oh, j'arrive presque. On va se mettre dans le corner, ça va être plus facile. Voilà, success. Pas de problème. Des fois, il faut mettre le perso dans le coin. Hein. Des fois, ça arrive qu'il y a un petit peu les coups de l'arnaque. Alors là, on a vu, hein, il a saut gros pied, donc comme ceci, bam. Ensuite, debout gros pied, donc celui-ci. Ensuite, ils disent moyen shoryuken, c'est-à-dire celui-ci. Et après, focus attack, donc la saving, c'est ça, bam. Donc on est prêt, on va faire le combo décomposé. Saut gros pied, le shoryu, la saving, voilà, success. Clear! Il faut vraiment hein, comboter simplement et calmement. Accroupi, bas petit pied, accroupi, bas petit point et gros dragon. Donc bas petit pied, bas petit point et le gros show pour Ryuken de tous ses linkés. Hein. Ça fait tac, tac, merde, raté. Raté encore une fois, voyez. Un simple petit combo qui peut me pourrir à l'existence. Bah alors, Dédé, qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à faire un bas petit point dragon? Tu es un sac? Voilà. C'est bon. J'ai réussi. Ça va, je suis pas trop nul. Alors ensuite, saut gros pied, et c'est quoi ça? Alors c'est saut gros pied et ultra 2, donc là saut gros pied, boum, comme ça, et l'U2 bien sûr, ça fait comme ça, faut faire rapide. Voilà, et bim, pas de problème. Allez, on envoie le mec au bout de l'écran, le pauvre Dan, il prend cher aujourd'hui. Hein. Clear, pas de problème. Next, 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 on est niveau 13 pour l'instant. Alors ensuite, c'est Tatsumaki en l'air. Tatsumaki, donc celui-ci. Et à la fin, quand on redescend, c'est Ultra 2. Alors on fait comme ça. Ah merde, j'ai raté. On va recommencer. Ça évitera de prendre l'animation de l'Ultra 2 pour rien. Attention, on fait R Tatsumaki et U2. Encore une fois, c'est raté. C'était pas grave. Hop, hop. On va recommencer. Voilà, on fait un Tatsumaki normal. Attention, ouais, je vais le faire à peu près ici, c'est bon. Et là, l'U2 va sortir. Et ça passe pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est X, pardon, excusez-moi, c'est moi qui suis bête. Là, c'est mieux, là, beaucoup mieux. Évidemment, c'est beaucoup mieux, là. J'avais pas vu que c'était la version X. Hein. Ouais, c'est un X, t'as tout, ouais, j'avais pas vu. Désolé. Allez, c'est clair. Clear. Ensuite, petit dragon et enfin l'ultra. Donc, petit Shoryu. On va le mettre dans le corner, ça va être plus facile. Ouais, il va là-bas. Quignol. Petit point. Voilà. Alors attention, le petit dragon et l'U1. Évidemment. Voilà qui est fait. Level 14 torché. Ensuite, on va faire donc le saut gros pied. Ensuite, le target combo, hein, c'est moyen point, gros point, comme on peut le voir à l'écran. Donc c'est ça, tac tac.
Ensuite, le Shoryuken et la super. Alors, en fait, le Shoryuken comme ça. Et puis, bien sûr, cette super Blim Bloom. Attention, on va faire donc saut gros pied. On va se mettre du côté gauche pour mieux voir. Donc, saut gros pied, target combo, le dragon et la super. Tac, 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 tac. Et voilà. Et gloom. À la limite, il faut juste bourrer à la fin. Ça passe nickel. Hop là, ensuite on a saut gros pied, target combo, tac tac, le petit dragon, le dragon punch, le saving pardon, donc en fait on fait ça, le petit dragon et l'U1. Voilà, ça c'est le combo classique, on va recommencer donc tout de suite, attention vous êtes prêts, le saut gros pied, le target combo, c'est cancellé, et l'U1, pas de problème, 50% de barre, ou même plus, oh, ça retire beaucoup, hein. Ça retire beaucoup, ça enlève beaucoup hein. Allez, attention, saut gros pied, accroupi, bas petit pied, bas petit pied. Ah non, c'est bas petit point. Alors, ça fait combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah oui, oh, je crois qu'il va être chiant ce combo. Oh, il va être très chiant. Il va être très chiant. Il va être très très chiant. Tatsumaki X, celui-ci. Il va être un peu chiant même. Allez, on va essayer quand même. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai réussi, c'est bon. Success! Allez, c'est good. Alors, en fait, est-ce qu'il y aura du FT2 aujourd'hui? Je ne sais pas encore, on va voir un petit peu. Je finis le défi, mais après on va voir. Le problème, c'est qu'il n'y a que une heure de Street aujourd'hui, puis après une heure de Injustice. Donc, on va essayer de gérer un peu. Je pense pas trop qu'il y aura des défis hein, aujourd'hui, mais en tout cas, il y aura un peu plus de technicité, on va dire. Voyons, on commence déjà avec les défis, puis après on verra après. Hein. On verra ça vers 19h à peu près. Ensuite, donc on a dit saut gros pied, debout moyen pied, donc debout moyen pied, bas moyen pied, voilà. Hadoken et la super. Donc attention, ça fait tac tac tac. Enfin, j'ai raté. Tac tac. Encore une fois, j'ai raté. Prendre son temps. Ah, mais j'ai fait la boulex, parce que je suis bête. C'est bas moyen pied boule. Hein. Voilà, c'est ça et la super. Donc tac tac. Tac, ouais, j'ai raté. Alors, j'ai raté les timings de Monsieur Ken. Voilà. Là, j'ai pas raté. C'est bon. Allez, on vient de torcher le niveau 18. On va passer maintenant au level 19. Alors, évidemment, le niveau 19, c'est quoi? C'est gros dragon, ex, gros dragon, ex, gros dragon. Alors, c'est sûr, attention. Voilà, ça va être, c'est rapide, hein, c'est super rapide. Faut canceller le dragon au deuxième hit et ça passe nickel. Le prochain c'est niveau 20. Alors accroupi, bas petit point. Alors accroupi, bas petit point. Accroupi, bas gros point. Hadoken. Ensuite la saving. Accroupi, bas petit point. Accroupi, bas gros point. Et le Shoryuken. Donc ça fait tac, tac. Ah, attends, ça fait tac, 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 tac. Et le dragon. Bim, bam, boum, bim. J'ai raté. Alors bim, bam. Merde, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? On se calme. J'ai tellement bourré comme un guignol que ça m'a sorti ça. Voilà. Prendre un peu son temps. Allez, maintenant on passe au niveau 21. En espérant le réussir du premier coup. Alors, saut gros pied. Accroupi, petit pied. Accroupi, petit point. Le Shoryuken. La super et l'ultra. Ah ouais, carrément, ils sont comme ça eux. Alors, tac, 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 tac. J'ai raté. J'ai raté le dragon, mais je pense que ça rentre que dans le coin, ça, hein, je pense. Hein. On va essayer tout de suite. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai raté. On va recommencer. Ouais, j'ai raté encore une fois. En fait, il faut faire dragon. Et là, super. C'est ça, en fait, le combo. Hein. Et à la fin, c'est l'U1. Voilà. Ça, c'est le combo qui demande. Mais avant, il faut bien sûr placer le saut gros pied. Bas pied, bas point. Voilà. Crac, crac. Et enfin, l'U1. C'est fini! Le succès, ça tire pas à grand chose hein, finalement quand on regarde bien. Une demi-barre pour tout ça. 21 c'est torché. Niveau 22 maintenant. Hein. Accroupi, bas petit pied. Accroupi, bas petit point. Accroupi, bas moyen point. Ex-Hadoken. La saving. Et l'Ultra 2. Alors on va se mettre ici pour plus de réussite. Tac, 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 tac. Recule. Alors bas petit pied, bas petit point, bas moyen point. Hadoken. Ex-Hadoken comme ça. La saving. Élu 2 pardon. Ça fait tac, tac, tac. Ah c'est ça en fait le combo. J'ai raté mais ce n'est pas grave. Hadoken. Il faut juste prendre un petit peu les timings. Ah oui, après c'est le Ex-Hadoken, pardon. Tant pour moi. Ça fait tac, tac. Donc c'est bas moyen point, Ex-Hadoken. Donc ça fait tac, tac, tac. J'ai raté.
On va quand même réussir. C'est ça, hein. Faut juste que je prenne le choc, le timing. Et une fois que le timing sera pris, ça va être bon. Quand même pas échouer comme une vieille limace, hein. Merde, pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi il me... Attends, c'est... 1, 2, 3. Pourquoi est-ce qu'il me sort... Ah voilà, c'est bon là. Je vais avoir du mal, je crois, sur celui-ci. Hein. J'ai réussi les 3 hits. Encore une fois, c'est pas bon. Tac, 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 tac. Ah merde, c'était l'Ultra 2. C'était pas le dragon, quelle andouille. C'était l'U2, hein. Je suis trompé de bouton, je pensais faire l'Ultra 1. Alors, on va y arriver, hein, si j'ai bien réussi à quasiment arriver à la fin. Ah, il manquait plus qu'à saving. Encore une fois. Attends que les barres de super remontent. Ah, l'U2 qui est pas sorti, fuck. Mais c'est pas grave. On va quand même réussir. Il manque la saving. C'est un petit timing à prendre. Une fois que j'ai pris le timing, ça va aller. Du moins, je l'espère. Voilà. C'était un peu laborieux, mais j'ai réussi. Hein. Ah, je suis vraiment un sac hein, ce soir. Je suis comme toujours, façon. Il y a 25 défis. On se donc au 23e. Saut au gros pied, debout, gros point, hexadoken, la saving et l'Ultra 2. Alors attention. Tac, 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 et l'U2 derrière. Merde, j'ai raté. Attention. Ah, c'est gros point, pardon. Ah oui, excusez-moi, c'est gros point. Tac, 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 et l'U2. Ah non, et après, c'est l'Ultra 2, oui, c'est ça. Tac, tac. Pourquoi il fait une saving comme ça, lui? On va se mettre ici. Ah, attention, on peut faire full screen, ça. Ça devrait être bon, normalement. Ah, il faut que la focus touche. Ah ouais, d'accord, ok, il faut que la focus touche. Super. Faut que la focus touche, donc du coup c'est plus la même chose. Ah non, je vais dans le corner alors. Bizarre ça. Je vais essayer un petit peu ici. Attends, c'est bizarre ça. Attends, je vais regarder. Tac, tac. Bah ouais, faut que ça touche a priori. Ah non, faut que la boule X stun. D'accord, ok, j'ai compris. Faut que ça stun. Tac, tac, tac. La saving. D'accord, ok. Il faut juste stunner l'adversaire. Ah, si on y est presque. Voilà, et là c'est bon, normalement. Voilà. Allez, niveau 23. Fini. Il n'en reste plus que deux. Attention, l'avant-dernier. Le saut gros pied. Bas petit point. Bas moyen point. Le gros Shoryuken. Le Tatsumaki X en l'air. Ok. Et enfin, l'Ultra 1. Donc le dragon, ça fait ça. Tac. Attends, ça fait 1, 2... Tatsumaki X, faut le faire en l'air bien sûr. Hein. On va le foutre là-bas lui. Alors attention, le saut gros pied, tac, tac, non c'est tac, tac, ok, donc ça fait tac, 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 bas gros, bas moyen point. Ah oui, bah pardon, tac, tac, le dragon punch cancellé, ok, donc. D'accord, je suis complètement planté. Il faut faire le gros dragon, il faut le canceller. Après le Tatsumaki X, d'accord. C'est quand même des combos un peu merdiques. Hein. En fait, si je fais le dragon, c'est ça. Tatsumaki X, hein. En fait, il faut faire ça à la fin. Après, il faut faire Tatsumaki X, mais c'est bien chiant à sortir. Voilà. Et l'Ultra 1, normalement. Voilà, c'est ça, en fait, la fin. La fin, c'est ça. Mais il faut déjà commencer à placer un peu tout ça. Donc, ce gros pied. Tac, 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 tac. Ah, putain, je suis bête. J'aurais dû laisser le dragon plus de temps. Enfin, encore une fois, c'est raté. J'ai appuyé sur deux boutons en même temps. Je suis un peu pressé et du coup, je suis même beaucoup pressé et je fais un peu n'importe quoi. Attends, tac. Le Shoryuken qui sort, on peut le canceller après. Hadoken. Tac, tac, tac. C'est pas bon. Encore une fois, c'est pas bon. On va quand même y arriver. C'est quand même pas une saucisse. Tac, tac, tac. Oh merde, c'est pas possible. Ah bah, je crois que je vais galérer, hein. Je crois que je vais galérer là-dessus. Ah, j'avais réussi, tant pis. Tac, tac, tac. Le Dragon Punch, c'est cancellé. Après, c'est ça. Après, faut pas rater, justement. C'est ça le pire, c'est qu'il faut pas que je rate après le dragon. Là, faut vraiment sauter pile poil au pixel près. Hein. Le Shoryu, saut vertical, Tatsumaki X. D'accord. Faut pas que je me trompe. Là, l'engage, j'ai du mal. Putain, en plus, là, j'avais réussi. Le Shoryuken qui ne passera évidemment pas. Ça passera pas non plus parce que j'ai fait un X. Encore une fois, c'est un X. Je me confonds un peu dans les boutons hein, parce que Ken, je connais un peu, mais c'est pas trop les combos que j'ai l'habitude de faire. Ça, c'est les combos un peu la Mormon le.
Je crois que je vais faire un petit peu à l'ancienne. Je vais tricher, je pense. Hein. Je vais tricher un peu. Ouais, du coup, ça marche même pas en plus, ça. Tac, tac, tac. Oh, c'est pas possible! Non! J'ai raté mon Tatsu! C'est pas possible. Là, je commence à m'énerver. Et quand je m'énerve, c'est la baston. Oh putain! Tatsumaki X qui foire! C'est pas possible. Un kus. Encore une fois, c'est pas bon. J'ai failli réussir. C'est pas bon non plus. Le moyen point qui est pas linké. Encore une fois, c'est pas bon non plus. On va quand même y réussir. Encore une fois, c'est pas bon. Je fais n'importe quoi. Et du coup, je suis en train de perdre du temps. C'est pas possible, je vais quand même pas rester ici à glander avec un vieux combo niveau 24. Putain, et pourtant, je trouve le bon timing. Ah, putain, j'ai pas laissé assez longtemps. Encore une fois, on recule. Faut que ça rentre, hein. Ça, c'est des combos qui peuvent paraître simples pour certains. Mais vous voyez que pour des mecs comme moi, bah, je galère. Moi, je suis pas trop un pro du dragon. Moi, je suis plus un pro du Doskoi. Je Doskoi bien la tête, mais les dragons. Et voilà! Eh bah, dis donc, c'était dur, hein. Ah, allez, on transpirait, tiens. Ah bah, c'est la fin. Merci beaucoup, hein, c'était la fin, heureusement. Allez, voilà, j'ai terminé. Bon, allez, on a fait le premier défi avec Ken. J'ai transpiré comme un bœuf, maintenant je suis énervé. Allez, on va aller sur le live. Pour aller, on va un peu se défouler. On va essayer d'écraser. Faire un peu de ladder vite fait, voir s'il y a du monde. Alors, partie personnalisée, on va mettre niveau meilleur. Y a-t-il des joueurs meilleurs avec plus de PP, de BP? Non. On va donc mettre tous. Et là, on a du monde aujourd'hui. Il y a du monde ce soir. Allez, je prends la première connexion, c'est celle-ci. La première connexion verte, c'est celle-ci, c'est celle-là. Allez, let's go. Cette fois-ci, on va se taper dessus. C'est plus du défi, hein, c'est plus des conneries. Et on va sortir l'artillerie lourde. Oh putain, la vache, le combat des gros. Zangief versus Sanda. Attention, Zangief, Sandy Boff. J'ai déjà vu quelque part celui-ci. J'ai déjà vu quelque part. En tout cas, c'est un Zangief et il a mis 3 rounds. Oula, le Laria directement. Lui, il perd pas de temps. Chope dans le vent pour monter la barre de super. Bientôt une poutre qui va rentrer, bien sûr. Pas sauter sur Honda à cette distance-là. Le Laria qui ne me fera ici aucun effet. Là, chope dans le vent hein, pour monter la barre de super, toujours et encore. Bas petit point, bas petit point, bas petit point. On repousse hein, le Guief comme on peut. On le laisse pas trop faire le malin. Hey, double piano, il n'aura pas pu se le prendre celui-là. En plus, il a pris l'ultra 1. Du coup, ça veut dire que qu'il a aucune option pour en l'air. Là, pour l'instant, il brûlait l'aria. L'aria, encore une fois, attention à la relever. Dusk, hey, ça c'est sur la garde, bas petit point. Loishonoge juste derrière. Et à mon avis, je pense que là, ça va être terminé. Doskoi, chope dans le vent. Allez, montez l'aria, vas-y, faites l'aria. Moi, je monte la barre de super aussi. Et la gifle à la fin, c'est KO. Évidemment, ça laisse pas trop de répit. Zangief qui perd le premier round. Le piano input. On attend un petit peu. Doskoi X hein, dans le bas petit point. Allez, bas moyen. Là, on fait le piano X. On va essayer de le gratter. La main verte X qui va sûrement choper. Et non, j'ai fait le coup de cul, hein, bien sûr. Il n'y a pas de coup de l'arnaque. HK qui va toucher maintenant. Sur vertical high punch, un petit peu piano input. C'est cancelé, bien joué. La très très bonne réflexe de la part de Zangief. Même s'il a perdu beaucoup de vie ici. Hein. Chope dans le vent. On va essayer un petit peu de le minder. Attention, la main verte qui peut arriver n'importe quand. Il va petit point ici. Attention, ouais, le sumo X qui fait ici entière. Attention à la relever. Et c'est terminé. Sous vertical high punch. Bien sûr, ça ne perdonne pas. Et du coup, c'est une balle de match. Hein. Une balle de match pour DVD. Alors que Zangief ici se laisse faire. Il a craqué. Il a craqué, ça y est. Et voilà, vous avez vu en direct. Doskoi, le perfect SK. Oh, il se laisse faire maintenant. Voilà, il va sûrement dire que je lag ou j'en sais rien. La victoire gratos. Il est pas content. Hein. Il est pas content, ce Zangief. Il est pas content, ce Guief. Hein. Il se laisse carrément faire. Il se laisse carrément faire, il veut même pas se battre. Moi je me bats jusqu'à la mort. Hein. J'ai pas de pitié. Hein. Et lui il m'exclut carrément. Ça commence bien la session Street Fighter. On me vire des rooms.
Attention, lui m'a viré, donc c'est mort. Ensuite, ah lui, c'est un Allemand, je crois, hein, si j'ai bien vu le drapeau. Allez, let's go! Honda versus, versus. Oh, il a pris random! Il a pris random! Il a pris random! Comme dirait Bob le Gob, random pour les hommes. Et c'est Jury maintenant, hein. Jury avec ses projos bien relous. Oh. Et moi, je commence direct, hein. Doskoy, hein, direct, j'en ai rien à foutre. Allez, chope dans le vent. Dive kick qui va toucher ici, full screen, mais ça marche quand même, hein. Will kick ici. Attention à la chape éventuellement. Le coup de cul, hein, qui va toucher maintenant. Attention à la relever. Le bas gros point, bas moyen pied. Il a failli toucher, hein. Il a failli toucher. Dive kick, non, il va pas faire le dive kick, il va attendre un petit peu. Alors là, Jury doit un petit peu. Doskoy, hein, doit temporiser complètement son jeu. A fait aucune boule, hein, a fait aucune boule. Du coup, bah, c'est un peu gratuit pour Honda, hein, puisque là, ouais, quand il n'y a pas de boule. Mais je pense qu'en même temps, je pense qu'il n'a pas beaucoup de garde. Et là, c'est terminé. HK, c'est fini. Allez, balle de match pour Honda. Dafik a bien joué. Il a bourré en l'air, mais ça ne marchera pas plus que ça. Attention à la chope, hein, Loïc Chenogal a relevé, c'était évident. On passe derrière, bah petit point, le piano input, le saut MP peut-être non, saut gros pied cassé par saut moyen pied, ça passe derrière, bien joué ça, il n'y a pas de suite hein, malheureusement. Allez, on joue un petit peu avec les projectiles, commence un petit peu à se réveiller un hein, Jury. Fallait le faire un peu avant parce que là du coup maintenant j'ai la super, et qui dit super dit forcément la violence juste derrière. Il suffit d'un coup de tête hein, et c'est terminé. Et là je pense que Jury allait dans une mauvaise posture hein, parce que j'ai la barre de super qui est up. Bien entendu une super. Oh bien joué le dive kick. C'était chaud quand même pour elle. Hein. C'était chaud quand même pour elle. Petit point, piano input. Bah gros point c'est un peu raté ici, enchaînement de light. Encore une fois l'enchaînement de piano input sur la garde. Ça gratte et ça gratte. Et bien entendu, encore une fois, ça va gratter. Petit point peut-être ici, la chope qui est déchopée. Bah petit point, dans ce cas coup de tête, super, c'est fini. C'est terminé. Eh bien sûr hein. Le Doskoy est super, ça ne pardonne absolument pas. Et ça fait mal. Très très mal. On remarque qu'il n'a pas perdu beaucoup de points. Allez, je fais encore un match. Puis après, si vous avez envie de jouer contre moi ce soir, envoyez-moi sur ma messagerie, comment dirais-je ici, là, Lord DVDTV, vous envoyez FT2 et c'est good. Envoyez-moi des messages hein, si vous voulez jouer. Je vous rappelle qu'on a juste une petite demi-heure. Hein, donc il faut vraiment faire sa fissa. Puisqu'à 19h30, il y aura du Injustice. Malorn pour terminer la session ladder. Et après, on part sur du Injustice. Tout simplement. Alors, hop. Attention le miroir moche. Attention le miroir dégueulasse. Il est là. Honda versus Honda. C'est Malorn. Hein. C'est Malorn. C'est le miroir. Alors attention, hein. Techniquement, c'est très très dur ce miroir. Il est très très difficile, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et au premier qui prend l'avantage, c'est tellement difficile. Visuellement, vous avez l'impression de voir deux gros tas de boue là qui se jettent un peu dessus, un peu comme ça au pif. Je vais vous assurer que c'est hyper 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 serré. En fait, vous voyez là, il se passe pas grand chose. Mais alors, on attend un petit peu l'erreur. Attention, le Shonage qui ne passera évidemment pas ici. Attention, petit Doskoy. Oh, attention au Doskoy. Attention au Doskoy, il le sait, Malorn. Pas d'erreur, hein. Pas d'erreur. Sinon, c'est automatiquement la punition. Allez, ce petit point vient d'une poutre. Là, j'ai pris l'avantage, hein. J'ai mis une petite gifle. Et ça suffit pour récupérer un peu d'énergie. Un peu. Petit point. Le piano input. Et voilà, j'ai pris l'avantage. Et Malorn doit attaquer. Et le Sumo-S qui fait ici entière. Il suffit de pas grand chose. Un Doskoy X à la relever. Il en a rien à foutre, Malorn, hein. Il en a rien à cirer. Le Swamp qui touche. Piano input. Bien joué. Le grand coup de cul, hein, qui passe derrière. Dash avant. Hop, la chape normale, c'est bien joué. Ça, le coup de Tarnac qui passe, tac, sur l'overhead, il est bien gardé encore une fois. On saute, pas petit point, le piano. Ah, c'est terminé, hein. Le round est complètement fini. Doskoy entière, c'est fini, hein. Le round est perdu. Il reste plus qu'à charger la barre de super. Il attend un petit peu Malorn. On attend un petit peu. On est tranquille, ce vertical high punch, c'est terminé. Franchement, c'est ça, hein. C'est ça Honda, c'est peut-être pas forcément joli,
Mais je vous assure hein, que si je perds l'avantage, Malorne saura me faire un petit peu regretter également défensivement. Enfin, saura bien justement gérer. Bah, petit point, le piano input, le Sumwex hein, qui fait ici à la relevée, qui gère bien. Ça va gratter, piano input. Doskoy, hein, bien joué ça aussi. C'est rentré en counter hit parce que je voulais le faire moi aussi. Chope dans le vent, bah, petit point, piano input, ça ne passera pas malheureusement hein, pour moi ici. On saute pas, Malorne ne saute pas, Malorne ne saute pas, Malorne. Il faut bien prendre son temps, il faut minder. Doskoy, bien joué, j'ai fait solo punch pourtant. Je sais pas pourquoi j'ai fait high punch à ce moment-là. Un petit point piano input qui n'est pas sorti non plus. On attend un peu. Pour l'instant, je suis un petit peu en retard à l'énergie. Et Malorne qui campe. Même si ici, il s'est pris un piano input sur la garde. Et voilà. Maintenant, la super qui est up. Ça va jouer ici. Hein. Si je place la super, c'est terminé. Si Malorne place la super, c'est terminé. Ça va se jouer juste à ça. Il va falloir prendre son temps. Empty jump peut-être. Ouh! Le piano qui a failli toucher, il le sait Malorne, hein. Une erreur de sa part et c'est la fin des derrière coups. Donc score, hein, pas de problème, on avance un peu, bah, petit point piano input, peut-être qu'il y a un cancel, il n'y a pas de cancel, on avance un petit peu, je suis en retard à l'énergie, bah, petit point, le piano input, double piano, la super, bah voilà, ça y est, on a trouvé maintenant l'ouverture et c'est à lui d'attaquer maintenant et ça va être sûrement difficile, il va sûrement essayer de sauter sur moi mais ça va pas être forcément facile pour lui, bah petit point, le piano input, il va essayer de canceller peut-être ici, non, bah petit point encore une fois, il va essayer de gérer, la saving qui est sur la garde maintenant et l'ultra 2 qui a failli sortir, l'ultra 1 pardon, dans ce coin, ça ne passera pas, Malorne qui tente tout pour le tout, il va sûrement canceller peut-être, bah petit point et l'ultra pour s'enfuir évidemment et non c'est rentré et c'est fini. Doskoy. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est port. Le miroir du mal. Malorne qui malheureusement est tombé dans les trappes immortelles de Honda. C'est horrible. Hein. Très très horrible ce match-up. Allez, on revient en arrière. On va donc prendre le prochain adversaire pour un FT2. Hop là, il est où? Il est ici je crois. Hein. Tac, il est là. Combat infini. Créer une partie. Créneau privé. Hop là, c'est good. FT2, c'est parti. Afficher le profil. Invitation à un jeu. Hop là, pas de problème. Alors, le premier joueur qui a demandé à jouer contre moi ce soir sur la version PC, c'est lui. C'est... Oh, on va tous mûrir. Alors lui... Il est pas mal son pseudo, on va tous mourir. On va voir un petit peu ce qui va se passer, qui va mourir. Je vais prendre Cody pour la première. Et Cody versus Sony, match-up qu'on voit pas souvent justement. Alors attention, c'est parti. Attention, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est chaud bouillant. Là, il a essayé de me gratter ici. Chemin de light, hein, la tornade. On va tous mûrir hein, pour l'instant. Celui qui va mourir, c'est toi. Ma petit pied et la tornade encore une fois. Avant moyen point, ma petit point derrière. Dès que ça rentre, ça c'est la fête du slip. Hein. Attention, ça passe devant, derrière. C'est le coup de l'arnaque. Petit pied, tornade, c'est gratté hein, au maximum. Pour l'instant, on est vraiment OP avec Cody. La glissade X qui permet de passer derrière. Bien joué, sa double touche. Mais honnêtement, je pense que là... Oh, bien joué, la déchoppe. La chope, pardon, tout court. La boule de feu qui va me gratter, mais ce n'est pas très très grave. On glisse un peu. Petit pied qui fait double touche. Encore une fois, on avance. Prendre son temps, hein, c'est le principal. Petit pied ici, la glissade. On essaie un petit peu de gérer. Enchaînement de light, bah petit point, bah petit pied, pardon. Hein. Et la tornade. L'entière moyen point de Cody qui est juste complètement imba. Hein. Cody, il faut pas jouer comme un ouf. Hein. Faut bien prendre son temps. Faire un ou deux cailloux par-ci, par-là. Bah petit pied directement en punition, c'est parfait. Attention, c'est une balle de match. Hein. Je vous rappelle que c'est un FT2, premier arrivé à 2. Là, ça commence directement par un bon gros coup de pied dans les valseuses pour Mr. Oni. Ouais, la boule X ici, pas de problème. Enchaînement de light, moyen pied. Ouais, c'est gardé. Attention à la relever. Il n'y a pas vraiment de combo. Il n'y a pas de confirme, il n'y a rien du tout. C'est un peu des combos à l'emporte-pièce. Mais ça passe. Le dragon ici, le relevé sable, il est gardé. C'est bien joué. La boule, encore une fois. Attention à ne pas trop faire de boule. La glissade X qui passe en dessous des projectiles. La balayette peut-être ici sur vertical high punch. Cassé par Tatsumaki. Enchaînement d'attaque. Bas petit pied. On oublie la tornade. Bien joué encore une fois. Ça, hein, j'ai failli le carotter. Attention à la relever. Le bas gros point. Caillou X, hein, c'est gardé. Attention le counter hit. Hein, ça peut faire mal. La saving sur la boule peut-être. Non, on la saute ici. Mais je me suis fait toucher un poil arrière moyen pour en tirer.
petit pied. Bien joué encore une fois, avant gros pied. Le bas, gros point. Oui, j'ai raté. Dash arrière. J'ai fait un dash arrière, mais il m'a mis dragon sur garde. Allez, bah dis donc. C'est violent. Eh bien joué, ça, ce vertical high kick qui ne passera pas ici. Enchaînement de dive, bah petit pied. Passe devant, passe derrière. Voilà, là par contre ça passe. Cody, ça stun très rapidement. Attention, hein, pas de bêtises. Pas de bêtises, hein, Cody. Ça peut être tellement vite. Tellement vite, tellement vite, tellement vite. La boule X ici, arrière moyen point. Le Caillou X maintenant, évité par ce sorte de dragon, hein, bizarroïde de la part de Oni. Il essaie de l'esquiver, mais vous avez vu, hein, j'ai pu récupérer parce qu'il a une bonne range ici, Cody. Dash arrière. Attention, hein, éventuellement pas d'erreur de la part de Oni. Encore une fois, hein, c'est un peu gratté. Hop, là, la chope qui est des. La, comment dirais-je, la tornade qui est décalé et du coup ça permet de gratter la glissade et c'est KO. Voilà pourquoi. Alors je remonte très rapidement sur les questions. Techniquement, ce miroir est très dur aussi bien pour l'un que pour l'autre. Oui, je sais, il est, c'est pourri cette citation. Fichez-moi la paix, Maximini moi. Pourquoi on ne voit pas du Marvel versus Capcom 3? Tu n'aimes pas DVD? Non, je n'aime pas Marvel. Enfin, du moins, je ne sais pas jouer à Marvel. Donc, du coup, ça sert à rien de streamer un jeu que je ne sais pas jouer. Street Fighter, c'est un peu le jeu que je connais le plus. Donc, c'est pour ça. I Wanna Be a Guy, Akisho, 2012, Evo, Flo, I Wanna Be a Guy. Ah oui, j'avais déjà vu cette vidéo où tu vois Flo qui pète les plombs. Ensuite, est-ce que je suis connu? Ben, un peu quand même. Sans vouloir trop me la raconter, bien sûr. Un petit peu quand même. Surtout, en fait, par rapport au jeu de combat, hein, c'est tout, principalement. La saving, hein, dash arrière, bien joué la balayette ici de la part de Oni. Ça passe derrière, il m'a un peu carotté. Hein. Enchaînement d'ail, toi, la relever pour essayer de déchoper un peu du pressing de Oni. Allez, le dragon ici qui fait double touche, vertical high kick, pété. Hein, pardon, par ce, encore une fois, cette espèce de coup bizarroïde là. Très très safe en plus en général. Là, il recule Oni et il joue quand même pas mal. Hein. Pour l'instant, la balayette qui va toucher ici. Mon Cody qui se fait un peu souillé. Ici, il faut avouer, la balayette maintenant peut-être, encore une balayette qui passe, le saut gros pied peut-être, bon, esquivé par un dragon, hein. Ouh, la punition était très très mauvaise ici de ma part, la glissade, hein, qui va casser ici, c'est une sorte de téléporte, la balayette maintenant, attention à la relever, ça passe derrière, devant, attention à pas de bêtises, il a tapé, et du coup il se prend l'U2 qui est impardonnable, il va se prendre le coup de tuyau, et boum dans le corner, attention à la relever, que va-t-il faire, attention à l'overhead, et c'est rentré. Ouh, c'était chaud quand même. Hein. L'U2 qui rentre complètement. Deuxième round. Allez, fight. Là, pour l'instant, on esquive les projectiles. On attend un peu. Vertical moyen pied. On attend bien sûr l'erreur. Petit pied toujours et encore. Encore un petit pied. Allez, bien joué ça. Hein. Bien joué encore une fois. Le coup de sable, il va permettre de se relever un peu rapidement. La baillette maintenant. Le coup de caillou, la glissade encore une fois. Le caillou avant moyen point, bah gros point qui ne passera évidemment toujours pas. Tatsumaki ici dans le corner. Hein. Et la chope qui va rentrer maintenant. Coup de caillou peut-être. Non, enchaînement de light encore. On le met vraiment dans le coin. Le dragon ici un peu bourré à l'emporte-pièce, mais c'est pas grave. Il va se prendre la chope maintenant. Le caillou, moyen pied. Le super qui ne passera évidemment pas. Eh bien joué, hein. Putain, il est bourré dragon le sagouin. La chope maintenant peut-être. Ça passe devant, ça passe derrière. J'ai une mauvaise garde là-dessus. Encore une fois, ça bourre pas mal, hein, mais ça passe quand même. C'est le principal. Allez, Caillou X. Il a failli se faire lapider. Bien joué. C'est chaud. Il n'y a plus beaucoup de vie. Faut pas sauter, hein. Tu sautes, t'es mort. Oh, il est bien esquivé. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai fait l'U2 et il est mort! Voilà, hop. Du coup, maintenant, on va inviter le prochain joueur. Tac. C'est qui le prochain joueur? Qui est le prochain joueur? Cody Win. On va prendre le next. Alors, prochain message donc. C'est lui. Alors, FT2. Hop là, c'est parti. Invitation à un jeu. Injustice, hein, ce sera pour 19h30. On fait une heure de street, une heure de Injustice. Alors, c'est pour quand Injustice? C'est pour 19h30. Alors, DVD content de l'annonce de Mortal Kombat Complete Edition sur PC.
Bah écoute, content, oui, enfin je m'en fous un peu. Honnêtement, c'est quoi Complete Edition? C'est MK9, c'est ça? MK9, je pense qu'ils auraient pu le sortir un petit peu avant. Quoique ça peut être pas mal, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être cool, de voir un petit peu si le online il est pas mal de MK9, ça pourrait être sympa. En tout cas pour l'instant MK9 c'est un peu l'ombre de lui-même. Malheureusement puisqu'il est un peu... il est tellement crado le online que les joueurs l'ont complètement déserté. Mais oui, pourquoi pas. Faut voir s'il est bien sur PC. Peut-être que finalement le jeu va être mieux sur PC, hein, pourquoi pas. C'est peut-être possible. Faut voir aussi si le jeu il est patché. Parce que si c'est la version, c'est la version standard, c'est pas la peine. Hein. Le jeu est complètement craqué quoi. Allez, Bison versus Rose maintenant. Hein, bas moyen point. Le Spiral, hein, c'est sur la garde. Le Knipress hein, qui me repousse ici complètement. On a ce dictateur hein, pour l'instant qui est bien en jambes contre la Miss Rose. Le Soul Spark, hein, ce petit point, petit pied, moyen pied peut-être ici. Non, on recule. La torche qui ne passera pas. Bas moyen point. Le Spiral. Soul Spark. Encore on recule. Ne pas sauter contre Rose. Donc du coup, on doit jouer full screen. On n'a pas le choix. Peut-être le HK ici, le Soul Spark. Ce pas Light Kick non plus. Le Soul Spark toujours et encore. Bah moyen point ici peut-être. Bah moyen point. Le Spiral X en punition. En whiff punish hein, pour être exact. Bah gros point et la Boulex hein, pour bien gratter justement. Bien gratter le dictateur. On doit jouer vraiment max range. On n'a pas le choix. Le Soul Spark. Attention à la saving. Peut-être on a glissé exprès pour ça. Bah moyen point ici pour essayer de zoner éventuellement avec Knipress. Bah moyen point Spiral. Putain pété par le Knipress justement qui récupère tellement bien ici. Attention à la chope. Bah moyen point et la Boulex qui repousse bien. Comment dirais-je dictateur. Et le Soul Stro après la boule. C'est KO. Alors, let's go, let's go. On recule, on passe derrière. Attention à la torche X, mais qui ne trouvera pas preneur ici. Là, il doit absolument gérer complètement son espace, un dictateur. Hein. Là, il touche encore une fois avec un Knipress. Attention à la relevée, gros point qui touche. La saving, hein, pété par un Knipress, encore une fois, bon moyen point spiral pour gratter un peu la garde. Le psychocrocheur X, on recule un peu. Enchaînement de light, un bas moyen point, on fait un derrière. Le Knipress qui, par contre, il tape. Hein. Il tape. Attention, ce vertical high kick peut-être. On dash avant, bas petit pied. Enchaînement de light, même pas. Non, il a fait juste un light, il a voulu décaler une chope. Ça passera malheureusement pas pour lui. La chope maintenant qui va rentrer de ma part. Et l'Ultra 2 justement à la relever. On va passer dans le dos. Ah, il a téléporté, bien joué, hein. Très bien joué. Le Soul Spark, on n'avance pas trop hein, quand il y a les Soul Satellites. C'est une arme de dissuasion. Évidemment, elle disparaît au bout de quelques secondes. Et là, les secondes sont justement passées. La chope qui est maintenant déchopée. Hein. Le Psycho Crusher, son vertical moyen pied, enchaînement dive à moyen point peut-être. Hein. C'est complètement raté mon combo. Le Spiral X à la relever. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il essaie de... Oh, j'ai chopé pourtant, c'est quoi ce délire? Le Soul Stro X qui va passer, bien sûr. On recule, un dash arrière, le dash avant peut-être. Non, il est venu sur mes pieds. Il est venu juste devant mes pieds. J'ai pas tapé exprès. Et du coup, je le chope. C'est terminé. Rose win. C'est quoi un whiff punish? Le whiff punish, c'est lorsque tu fais un coup qui est par exemple un coup qui s'arrête juste devant toi et que tu punis par un autre coup. En l'occurrence, là, juste avant, il y avait dans le match, c'était par exemple Dictateur, il a fait un ciseau. D'accord? J'avais reculé et le ciseau, en fait, il s'est resté juste devant moi. Et donc, par conséquent, j'ai puni par un bas moyen point. Voilà. En fait, le whiff punish, c'est punir les coups que font les joueurs dans le vent par d'autres coups. Voilà, tout simplement. C'est quand, en fait, le coup arrive, entre guillemets, te rase un peu la tête et que tu punis. Voilà, c'est vraiment une gestion de distance. Tu as des coups comme ça qui sont très puissants. Genre, Rose a puni bien, vous voyez, avec ce bas moyen point là, elle punit vraiment très très bien. C'est vraiment le coup. Honda, lui, ses gros pieds. Et Rose, elle, c'est vraiment son bas moyen point qui est vraiment excessivement craqué. Alors, l'éditeur qui me met dans le coin ici. Attention, petit crusher, la chope qui va rentrer maintenant juste derrière. Le moyen pied, bas petit point. Bas petit pied, pardon. Hein. Le sous spark sur la garde. Bas petit pied encore une fois. Et ce vertical high punch qui va toucher le Soul Spark, qui doit un petit peu trouver les ouvertures autres que le sol, hein, je pense. Pourtant, au sol, il est très fort, un hein, dictateur. Hein. Ouais. Dès qu'en fait, il a plus de charge, il est un peu sujet à se faire punir. Donc, du coup, faut faire attention. Allez, le ciseau, bas moyen pied, bien joué, ça, le Psycho Crusher X. On recule un hein, dash arrière. Vous avez un petit peu la vitesse du dash arrière de Rose, qui permet vraiment de s'échapper. On était vraiment de gérer un peu dictateur, le Soul Spark maintenant, bien joué ça, de light, pas moyen point, hein. Le Spiral X qui va comboter, à la relever, ça combote bien, moyen pied peut-être non, cassé par un bas petit pied, on attend un petit peu l'erreur de dictateur, alors dash avant chop hein, bien sûr, allez ultra 2 pour casser un peu le rythme du jeu, allez, avec lui il reste plus qu'une boule, on attend un peu. Le Soul Spark, la glissade. Oh, il s'est pris là. Vous avez vu, il s'est pris la boule en pleine tronche. Bas moyen point et la Boulex pour repousser. C'est parfait. Hein. Bas moyen point qui rentre et la Boulex qui tue. C'est juste ce qu'on voulait voir en fait.
Allez, balle de match pour DVD. Si je remporte ce match, ce sera donc un 2-0. Le Spiral X un peu bourré ici. Il n'y a pas vraiment de punition. Sympathique à l'eye punch, enchaînement de live à moyen point. Le Spiral X qui n'est pas comboté malheureusement pour moi. J'aurais pu faire plus mal, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on met la pression au dictateur, c'est le principal. Pas de saut hein, contre Bison. Il a des sauts qui sont relativement longs. Le Knipress hein, qui est complètement gratuit contre Rose. Pas de punition possible. Attention dans le corner. Bah moyen point. Il n'y a rien derrière. Bah moyen point. Spiral X. Hein, j'ai fait un sous spark pour essayer de feinter. Voilà. Le combo max hein, qui passe. Ça fait 6 combos. Ça passe bien. La petite Rose hein, qui est complètement opérationnelle pour l'instant. On dash arrière. Le sous spark. Sous spark. Hein, bien joué. Le Divine Reverse qui ne passerait malheureusement pas. Le Spiral X dans son dash avant. Sous vertical high punch. Toujours et encore. Il se téléporte. On essaie un petit peu de le minder. Le gérer. Bah moyen point ici peut-être. Sous-vertical high punch, HK, il a sauté, bien joué, le combo est complètement raté, il a fait un saut arrière du coup, le spiral sur garde, un petit peu moyen point, la boule X, c'est quasiment terminé, va sauter le sous-throw, c'est fini. Voilà, Rose win. Alors je vous préviens tout de suite, il est 19h12, FT2, battons-nous, j'arrête à Neo Blackbird, après c'est fini, non. Écoutez, je vais faire un tournoi, ce sera mieux, parce que j'aurai jamais le temps de finir. On va faire un tournoi, et j'invite tous les joueurs du tournoi qui m'ont déjà envoyé un message. Ça va être plus simple, parce que du coup, là, j'arriverai jamais à pouvoir faire un truc clean. Donc, j'aurais juste à savoir, il y a combien de joueurs? Il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 joueurs hein, qui m'ont envoyé des messages. Donc, les 5 joueurs, donc je vais mettre 8. Créneau privé, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre... Pourquoi ça marche pas? Privé seulement. Privé seulement. Ah oui, d'accord, je peux pas en fait créer des créneaux privés. D'accord, ok, j'ai compris. Je reviens en arrière, je vais tromper. Donc, il y a 7 places. On va faire un truc qui va être simple. Les deux premiers qui m'envoient un message participeront tout simplement au tournoi. Voilà. C'est pas compliqué. Envoyez-moi vos messages. Les deux premiers. En plus de ceux qui ont déjà envoyé un message, c'est-à-dire de deux premiers après Neo Blackbird, seront invités pour le tournoi. Voilà, il y a 7 places, donc c'est à vous d'envoyer vos messages. Les deux premiers qui enverront leur message seront invités. Le gamertag, c'est LordDVDTV. J'invite les joueurs les uns après les autres pour le tournoi de la mort qui tue. Il est 19h13, dans une demi-heure, enfin dans une demi-heure, à 19h30, pardon, il y aura du Injustice. Les dieux sont parmi nous. Allez donc FT2, merde, il y a celui-ci, alors hop, afficher le profil, invitation à un jeu, c'est fait, il reste donc 3 places hein, je crois, Papounet qui m'a envoyé un message, invitation à un jeu, Papounet, le Blanca en mode Sangoku qui va être là aussi, alors nos damages qui arrivent, il reste donc Papounet, voilà, il reste plus que 2 places, allez. Encore 2 places. 2 petites places. Allez, venez. Allez, le temps qu'ils arrivent, je vous fais un petit jingle. A tout de suite. USA. Free. Ken, bien entendu. Et voilà, nous avons donc tous nos joueurs. Ils sont là. Lord DVD, Malorn. Ensuite, N-Quizer, je sais pas quoi. Pragmatic02, No Damage, Papounet, Neo Blackbird. Et enfin, E5. Et bien, c'est parti pour ce mini tournoi entre viewers avec moi dedans. Et donc, alors là, en fait, j'ai le choix entre modifier l'ordre ou pas. Donc je vais faire en sorte, puisqu'à chaque fois, Malorn tombe sur moi, donc je vais mettre Malorn ici, tout en haut, et moi je suis tout en bas. Voilà, c'est parti, on laisse ça comme ça, c'est juste une spéciale pour Malorn qui à chaque fois râlait parce qu'il est toujours en premier, donc contre moi, voilà, là on est vraiment bien loin. Malorn, si tu gagnes ce tournoi, si tu gagnes tout, tu seras donc en finale, donc Malorn, rendez-vous en finale si tout se passe bien. Allez, c'est parti. Justement, c'est Malorn01 qui va commencer avec, avec son,
le Sumotori Honda, le voilà, hein, pour accéder à la phase finale, la demi-finale, pardon. Il faut donc se qualifier. Et je vous rappelle que c'est en un seul match gagnant. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Un match gagnant, élimination directe. Il est 19h16. On rend l'antenne, enfin, on rend l'antenne du Injustice, pardon, à 19h30. Donc, un mini tournoi pour clôturer cette session Street Fighter qui est assez courte, je le sais. Mais c'est comme ça. Malorn 01 contre Blanca. C'est parti, un match gagnant. Il faut qu'il prenne son temps. Hein. Je connais bien Honda, bien sûr. C'est un match-up qui est basé sur la défensive. Voilà, vache, Doskoï, il a osé se faire ça. Mais alors, attention, hein, Doskoï qui est punissable par la glissade du singe de Blanca. Allez, Piano Input qui va passer ici. Le HK qui suit juste derrière. Son Vatican Light Punch, il a pris tellement d'avantages ici. Honda, ça va être difficile pour Blanca de revenir. Doskoï, hein, il se prend le Doskoï en plein thorax ici. Blanca, la bête hein, qui prend cher. La gifle de Honda. Bah, petit point, Piano Input. Le HK qui suit. Il n'y a aucun problème. Ultra qui est bourré, mais ça ne touchera pas. Garde basse, garde haute. Et c'est fini. Doskoï, bien sûr, hein. Il lui a laissé aucune alternative. C'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut, balle de match. Hein. Alors qu'en plus, Malorn a pratiquement la super de up, même si ici il se fait un peu tromper hein, avec la rolling de Blanquet qui s'arrête plus poil devant lui et qui se prend une chope. Et il continue Blanquet un petit peu à presser avec des sauts verticales, le moyen pied qui font un petit peu bloc sur Honda, mais il s'en sort bien, Malorn. Hein. Là, il se prend encore une fois ici une glissade, ça passe derrière. Il essaie un petit peu de trifouiller un peu Honda, mais le Doskoï X qui sort automatiquement, ce coup de tête en version X qui est juste complètement imba. Hein. C'est l'un des coups les plus puissants du jeu, le piano input, bien joué double piano, c'est cancellé avec la shop SP de Honda, Doskoï X à la relevée, j'ai l'impression de me voir jouer, il fait toutes les phases dégueulasses que je fais, il les fait les unes après les autres, monsieur Yokozuna Malorn, et c'est KO évidemment, toutes les rollings de Blanca qui sont punissables par le coup de tête de Honda, et du coup par conséquent, il n'y a pas de choix, hein. quand Blanca bourre des rollings sur garde, c'est la punition ultime, voilà, et du coup Malorn qui... atomise complètement ce pauvre Blanca et qui se qualifie pour la première demi-finale de ce tournoi. Deuxième match, hein, un match aussi au sommet avec un autre Blanca, c'est Papounet qui va jouer Blanca contre justement Pragmatic 02 qui lui va jouer Evil Ryu. Un match un peu au sommet, on va voir un petit peu qui va gagner. Papounet qui est un joueur de Blanca qui est excessivement fou furieux. Autant des fois il joue bien, il campe bien, il gère bien, mais autant des fois il a un peu la hype, le mode Dragon Ball Super Saiyan qui s'active, et du coup il est complètement en god tier, le mode Berserk qui est activé. Papounet l'Ultra 2 qui est donc qui va affronter donc Evil Ryu Pragmatic. Hein, voilà, vous avez vu, c'est bien ce que je pensais, Papounet qui joue avec son costume à la Sangoku. Oula, il y a un petit freeze. S'il vous plaît, coupez le stream hein, si c'est allumé, parce que le stream plus joué sur PC, c'est moche. Hein. Allez, pour l'instant, Pragmatic 02 qui trouve une sublime ouverture. Allez, bien joué le dragon juste derrière. C'était pas rentré en combo pourtant, hein, c'est un peu dommage. Le chop qui suit, gros point pour faire un save jump. Ça passe derrière, enchaînement de light. Hein, Tatsumaki dragon, c'est le stun direct. C'est Evil level 3. Papounet qui sait plus où c'est qu'il habite. Tatsumaki, bah, petit point, gros point. Tatsumaki, c'est un peu le bordel. Hein, ça va tellement vite. Il est en train de le gérer complètement. Et là, Papounet qui a pris tellement cher. La glissade du singe hein, qui passe en dessous de la boule. Que va-t-il faire Papounet, la Rolling X, l'électricité bien jouée, ça fait mal, la glissade du singe, ça va très loin vite. Ryu qui perd beaucoup de PV ici, la Rolling sur garde, il peut rien faire Ryu, hein. Il ne peut absolument rien faire contre une Rolling sur garde. Papounet qui a bien remonté sa vie, oh là là, allez, relève-toi. Et non, évidemment le dragon qui vient ici tuer en garde, puisqu'il avait plus de PV ici Papounet. Ça, c'est assez violent. Allez, balle de match hein, pour Pragmatic 02. La rolling qui passera évidemment pas ici. Ouh, le combo qui fait mouche. Attention, ça faut pas déconner quand même. Dans le corner, ça va être super chaud. Le stun qui est pratiquement là. Tatsumaki ici, petit point de récité. Il n'y a pas de dragon sur le saut de Blanca. Attention, hein, Pragmatic 02. Il faut un petit peu punir ce genre d'initiative de Blanca. Hein. La saving ici qui touche un hit, mais qui ne stunnera pas. Et là, donc, je pense, sans vouloir être méchant, que Papounet est en train de tomber, hein, de sombrer un peu dans l'enfer du match-up. Il doit absolument revenir. Arrête d'avancer. Prends ton temps, Papounet. Prends ton temps. T'as l'ultra qui est bien chargé ici, tu peux la placer sur un projectile, prends ton temps, la saving sur la boule, bien joué, la dash avant balayette, ça passera pas. Il y a la rolling X qui va toucher sur la garde, en armor break, pardon, hein, de Evil Ryu, oh bien joué, ça la rolling X, elle a relevé, ça glisse maintenant, ça passe derrière, tu chopes petit point, ça passe derrière, petit point, chop, ça passera pas, Cricité, c'est un peu le bordel, Dragon Punch qui va toucher, oh, bon, il y a un pied boule, c'est super tendu, hein, le combat est très très serré, la glissade du singe, encore une fois, la rolling X pour rapprocher juste devant, il n'y a pas moyen, il y a plus mieux, ah mon dieu, t'aurais pu choper ici, ça aurait pu être encore mieux, attention, que va-t-il faire, ça frise un petit peu, mais c'est pas grave, il reste maintenant 40 secondes. Ça va être très délicat. L'Ultra 2 qui ne passera pas. Tatsumaki X, j'imagine. Et oh! C'est pas possible.
C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Fallait faire Tatsumaki X en l'air, pragmatique, t'aurais pu esquiver l'ultra. Et du coup maintenant, bah, c'est une balle de match hein, pour les deux joueurs. Papounet hein, qui est en train de revenir complètement. Alors je pensais vraiment qu'il allait mourir. Électricité, glissade, il est un peu perdu ici, pragmatique 0-2. Hein. Ça y est, Papounet qui est en mode berserk, il met l'ultra, il met la saving level 3 dans la gueule de Evil Ryu. Ça fait tellement mal, un petit point rolling sur garde. Bon, bah, il y a peut-être Tatsumaki, ça ne passera évidemment pas. Il n'y a plus beaucoup de chance hein, ici, Evil Ryu, il faut qu'il trouve l'ouverture à la relevée d'Afiki. Va passer le combo qui est un peu raté ici, Dragon Punch hein, qui traverse un peu la rolling X de Blanca. Cette fois-ci par contre elle rentre et en entière. Attention à l'U2, il va attendre le bon moment, la rolling sur garde. Dragon c'est quand c'est l'Ultra 2 bien sûr, attention ça va faire mal, très très mal. Non, pas tant que ça finalement. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Papounet qu'on a rien à foutre, qui nous balance une rolling par-ci, une rolling par-là. C'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. Hein. Ah là 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 là. Bah, du coup, c'est là. Hein. Malorn 01 contre Papounet. Ce sera donc la première affiche. L'affiche, pardon, de cette première demi-finale. Donc voilà. Allez, Cody versus Evil Ryu. Allez, c'est parti. Allez, Caillou contre Hadoken. Hein. Mais bien sûr, à ce jeu-là, je vous dis tout de suite, c'est Eviru qui va gagner. Beaucoup plus rapide. Bah, moyen pied, coup pied marteau. Allez, saut gros point, bas gros point et la tornade, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Je vous rappelle que Evil Ryu a moins de vie que Ryu, hein. C'est ça un peu l'avantage, enfin le désavantage de Evil Ryu, c'est qu'il a beaucoup moins de PV que son, on va dire son image, son homologue normal. Une téléporte, il n'est pas très actif, mais bon, il va un petit peu s'échapper. Allez, il prend la saving ici, bas pipi tornade, il perd beaucoup de vie en quelques secondes. Il se rend maintenant la shop et Neo Blackbird va mourir sur ce saut moyen pied, bas petit point, et il y avait sûrement la tornade derrière. Ça fait mal. C'est vraiment le coup de l'arnaque, hein, tout simplement. Il n'y a pas de dragon sur les sauts. Revenge kick hein, ici, bah, moyen pied boule. Si on regarde en punition, Dragon Punch ici, bien mindé. Dive kick qui passe, gros point et la boule. Coupé marteau X, je vous rappelle que c'est garde haute hein, quand c'est en X. Encore une fois, ça passe. Oh putain, c'est monstrueux hein, ce qu'il est en train de lui mettre. Saving level 3. Allez, gros point, coupé marteau. Ultra 2 qui est bourré, ça va rentrer, bien sûr. Il a trop voulu jouer le malin. Il va se prendre l'U2 et ça va faire mal. Elle est dans le coin maintenant. Ça fait bien, bien mal. Le saut gros pied, ça rentre. Oh, putain, il n'y a pas de garde, Evil Ryu. Hein. Méta garde. Ouh, la téléport, c'est chaud. Riff and kick. C'est super tendu. Et ça passe quand même. Le coup du Tomahawk. Ce coup de pied marteau, je vous rappelle que c'est en garde haute quand c'est en ex. Il faudra le réflexe. Il l'a pas eu, Cody. Et du coup, c'est une balle de match pour les deux joueurs. Même si là, pour l'instant, je pense que l'avantage est... Ouais, j'ai envie de dire qu'Evil Ryu est quand même bien mentalement installé. Mais là, il se fait punir hein, monstrueusement. Ça va être chaud. Hein. Là, c'est Mick qui passe maintenant. Il a beaucoup de chance quand même. Hein. Attention, c'est chaud. Pas moyen, pas moyen, pas moyen pied. Il n'y a pas la boue qui suit. Il attend un petit peu. Tatsumaki sur la garde. Sauvatica moyen pied, pas moyen point. Boule. Allez, là, c'est Mick qui va rentrer encore une fois. Le dacha qui passera pas. Il faut balayer quand c'est comme ça. Hein. La boulex ici. La tornade qui va rentrer. Ça va être super chaud pour Evil Ryu. Pas beaucoup de vie. C'est fini. Glissade. Ah, il n'y a plus beaucoup de PV, et évidemment ça va gratter le dragon du désespoir à la relevée qui ne passera évidemment pas. Et c'est terminé. C'est fini. Ce sera donc Cody qui sera qualifié pour la deuxième demi-finale de ce tournoi. Et là maintenant, bah, c'est mon tour. No damage contre Lord DVD. Bah, c'est moi, tout de suite après ce petit jungle. Allez, c'est reparti.
Cette fois-ci, j'affronte Gen. No damage. No damage. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce Gen. Tortue géniale sur la map. Ça rigole plus. Évidemment, Tortue géniale qui est là. Ocho, on attend un peu. Alors je vous rappelle tout de suite que Gen ne peut absolument pas sauter sur Honda. Le temps, voilà, je charge un peu la barre de super. Allez, Doskoi ici sur la garde. Doskoi entière, aucun problème. Redoskoi, cassé par le petit point. Encore un Doskoi, encore un Doskoi. On joue un peu salement, hein, mais c'est pas grave. Sophatical Eye Punch. Un petit peu le tout pour le tout. Allez, ce petit point, bas petit point, le piano input qui va gratter. Encore une fois, ça rentre, hein, cette fois-ci, Doskoi sur la garde. Sophatical Eye Punch, toujours et encore. On recule, on essaie un petit peu de le gérer. La balayette maintenant. Chope dans le vent pour monter un peu la barre de super, toujours et encore. Hein, Sophatical Eye Punch peut-être. On essaie un petit peu de minder ça. Voilà, vous voyez ce coup-là. Kuzu, c'est ça, il faut vraiment prendre son temps. Pas faire l'andouille. Voilà, sinon ça prend préjudice. Le piano input hein, qui est cancellé justement par la shop space juste derrière. On passe devant derrière, et bien joué le Dragon Punch. Hein, j'ai voulu le rechoper, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Attention, le coup de cul qui ne passera. Oh, il est passé un peu bizarrement. Dusky X à la relevé, c'est sale, mais ça passe. Saving peut-être. Bien joué, il a bien lâché avant moi. Il aurait pu mettre l'ultra ici, hein, il l'a pas fait. Il veut essayer de choper, mais malheureusement, c'est pas une bonne chose. Puisque du coup, maintenant il se prend le Dusky en pleine garde. Et maintenant, il reste bien entendu 25 secondes. 20 secondes pour pouvoir revenir. Alors que moi je vais installer ma tente, Doskoi qui va rentrer encore une fois en entière, c'est complètement gratos. Gen qui ne peut pas vraiment sauter, il a aucune arme pour pouvoir attaquer et je le gratte, hein. Il faut qu'il trouve une ouverture. Il reste 8 secondes, c'est quasiment mission impossible. Enfin, bon, il y a un point, il n'y a pas de piano, et dragon qui ne passera pas. Petit point, piano input, c'est terminé. Et là bien sûr hein, Honda qui est pour l'instant complètement dans le round, dans le match. Coup de cul peut-être, non bien joué ça, j'ai voulu feinter par un solo kick, mais ça ne passera évidemment pas. Il est attentif ici, j'allais dire Malorn, mais c'est pas Malorn, hein, c'est no damage bien sûr. Allez sur le gros point, Ikozu, ce vertical eye punch, eye kick pardon, qui va casser un peu tout ça. Putain qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai cancellé 3 barres de X pour rien du tout. Dans ce courrier, hein, sur la garde, Redoskoi ça rentre maintenant en counter hit, HK juste derrière, mais il a bien mis sa garde en garde basse. Justement, on attend un peu l'erreur sur Vertical Eye Punch qui fait double touche. HK sur regard, HK, les dragons bien joués, hein, c'est un peu prétentieux ça, bas petit pied. Loi Shonoge maintenant, attention à la relever. L'OS peut-être, bien joué, il a bien esquivé. Attention, ça va peut-être bourrer là-dedans. Soirier gros point, c'est terminé, il est mort. Le Soirier gros point qui vient ici sceller le destin du vieux Schnock. Et du coup, les Honda sont en train de malmener un peu tout ce tournoi, puisque Malorn, qui est complètement en haut du bracket, et ben, représente les Honda, et moi je suis complètement en bas. Et donc on va assister donc à la première demi-finale, c'est Malorn 01 contre Papounet. Malorn qui va jouer Honda, Papounet qui va jouer Blanca. Quant à moi, je serai opposé juste après, pour la deuxième demi-finale, à Cody. C'est Cody qui a gagné, je crois, hein, je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'est Cody qui a gagné. Cody, donc le Cody qui a battu le Billy Ryu de manière un peu spectaculaire sur le last round. Attention donc, je vous rappelle que c'est en un seul match gagnant. Il n'y a pas d'alternative. C'est tu gagnes ou tu perds. Tout simplement, c'est con ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de loser bracket, il n'y a rien. C'est tu gagnes ou tu perds. Alors je vous rappelle que Malorn a traumatisé le Blanca juste avant. Bon score, ça ne passera pas évidemment, hein. Puisque Papounet, voilà. Vous avez vu, Doskoi qui est punissable justement par la glissade du singe de Blanca. Et là pour l'instant on est parti pour une victoire de Papounet. S'il gère bien, hein, s'il campe, il gagne. Là ce match-up là, voilà, bien joué le réflexe en punition. Évidemment la Sémi qui passera pas, un hein. Doskoi X qui est la réponse à tout dans ce jeu. Allez, il passe devant, passe derrière, mais c'est derrière. Attention, là, il a voulu faire coup de la crève, ça passera pas. La rolling, hein, qui... oh, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, Blanca ne peut faire aucune rolling sur garde. Il se fait automatiquement punir par le Doskoi de Honda. Et c'est pareil pour Blanca, hein. Blanca peut punir tout les Doskoi en garde de Honda par la glissade du singe. Doskoi X qui va toucher en entière et du coup maintenant c'est Papounet qui est un peu en galère. Hein. Alors sur ça, ça passe derrière, c'est bien joué. Encore un Doskoi X, il s'en fout un peu Malorn, hein. Il a l'avantage à la vie. Par contre, faut faire attention, hein. La barre descend progressivement quand même. Tente ici un gros pied, mais il a fait un soirier. Blanca, ça va jouer à pas grand chose, hein, je vous le dis tout de suite. Petit point, la rolling X en entière, c'est bien joué, il va reculer maintenant. Un petit point, le piano input, ça gratte et ça gratte et ça gratte, hein, bien sûr. C'est pas safe ça, Papounet, c'est pas safe. Et il se prend le Doskoi X.
en pleine poire. Allez, balle de match hein, pour Malorn. S'il remporte ce round, il est qualifié pour la grande finale de ce mini tournoi. Attention, c'est chaud. Papounet doit impérativement se sortir les doigts du nez. Voilà, j'allais dire un gros mot. Mais j'ai bien récupéré à temps du nez. Et oui, les doigts du nez, parce que là, il se prend un piano input. La Rolling X se regarde, ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas eu de punition. Heureusement pour lui, la chape dans le vent de Honda pour monter un peu la barre de super qui est déjà à 2 barres. Et ça va être ça va très très mal, bien sûr. Un double piano, c'est cancellé. Et le Ishinogi, cette chop spé. Ah, ouh là là, la punition un petit peu ratée. Ils se sont un peu croisés, mais toujours à l'avantage non négligeable à Honda qui a tellement de vie d'avance. Ça va être tellement dur pour Papounet de revenir. Tellement dur, même si il fait tout ce qu'il peut, électrocution, hein, glissade du singe, c'est bien joué, c'est pas trop safe, mais c'est pas grave. Duskoi X pour s'échapper, Duskoi qui punit automatiquement les rollings de Blanca en garde. Ouh, 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 il a raté, ouh, il a raté Papounet, il aurait pu lui faire tellement mal, oh là là, c'est moche, il aurait pu le tuer. Il le tuait, hein. Il le tuait complètement. Il a relâché très, très légèrement, tardivement. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, Papounet. Mais il a relâché un peu trop tôt ou un peu trop tard l'ultra. Et du coup, il a perdu son round. Ah, c'est triste, hein. C'est très, très triste. Mais GG quand même. Papounet qui aurait pu ici détruire le gros lard. Au moins sur le round. Bon, dommage pour lui. Malorn donc qui est qualifié pour la grande finale tout simplement. Et moi je vais prendre Honda. Et bien sûr je vais prendre Cody. La deuxième demi-finale. Celui qui remporte ce match, ce set, sera donc qualifié contre Malorn en grande finale. Il n'y a pas de loser bracket. Hein. C'est élimination directe. Aucun droit à l'erreur. Une finale Honda versus Honda comme marque Shino Kyle sur le chat. Pourquoi pas? En tout cas, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir découpé, avant d'avoir tué, lol, c'est quoi découpé, je sais pas d'où ça sort ça. DVD qui est un peu fatigué ce soir. Et voilà, là il a fait une erreur, la saving dans le vent, hein, du coup il se prend le piano input, j'ai pas tenté le HK, et là on va le gratter, bien sûr ça gratte, un piano X maintenant qui va encore une fois prendre l'avantage sur Cody. Oh la vie qui perd, le pauvre Cody prend tellement cher, ma petit point, ça passe derrière, il a voulu me choper, ça ne passera pas évidemment, le piano X encore une fois, on passe derrière, et c'est terminé, évidemment, ça va tellement vite. Faut mettre ta garde, il faut une bonne garde, sinon ça fait tellement mal sur Cody, il est habillé en mode Dalton. Le saut MP, bien joué la chop, hein, c'est très 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 bien joué. Hein. Duskoi X ici en autocorrect, ça fait mal, hein, ça fait tellement mal, on ne saute pas sur Honda, misérable cafard. Attention, bien joué, il a bien ici, il a bien cancellé ici son sa tornade, et du coup ici il prend le Oshinogi, bah moyen pied, Oshinogi il a voulu faire un backdash, hein, mais c'est une OS direct, ça marche pas. Hein. Bah moyen pied, re-OS, mais ça marchera pas, il a sauté. Saut MP qui passera pas non plus, la chop est échappée maintenant, le coup de QX ici, solo punch, encore un Usho, hein, ça passe. Attention, bas petit pied, moyen pied, l'overhead qui rentre encore une fois. On passe devant, passe derrière, c'est terminé. Bien sûr, c'est tout simplement. Tous les vortex de Honda sont rentrés. Regarde Malorn, regarde un peu les techniques de Honda. Bam 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 bam. Honda qui est quand même vachement vachement fou quand il s'y met. Et donc c'est la finale. La finale entre les deux Honda, Malorn et moi-même, donc DVD. Un combat miroir. Alors, j'ai le droit, hein. J'ai le droit de prendre qui je veux. Malorn a pris son personnage. Je ne sais pas qui je vais prendre. J'ai le droit de changer si je veux. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Il me reste 17 secondes. Quel perso vais-je pouvoir prendre, mettre dans mon sac pour pouvoir l'affronter? Et je prends ce que je vais utiliser. Je vais utiliser. Allez! Je vais prendre 7. Je sais que c'est sale, mais j'ai le droit. C'est les règles. Je prends qui je veux. J'ai le droit de prendre qui je veux. Et j'ai pris 7. Malorn qui attend un petit peu. Il va sûrement m'envoyer un message, me dire que je suis un fumier. Mais oui, c'est la vie. Attention. L'horreur a frappé. Va-t-il me remettre à ma place? Attention, hein, 7, c'est horrible. Allez, c'est parti, on recule. Malorn qui vaut. Alors, je peux donner un indice à Malorn. Hein. Il faut jouer full rush. Parce que, bien sûr, 7 peut s'envoyer. Il faut partir vite fait. Le Shoryuken hein, directement. La saleté à toute épreuve. Et voilà, c'est parti.
Le pile driver qui va toucher, le dive kick maintenant, le coup de cul, hein, ici bien joué, petit point, encore l'aspiratron, ouh, ça va faire mal, ça va faire très mal, dash arrière pour éviter ça quand même, pas de doskoy full screen, bien sûr, sinon c'est la fille, alors encore une fois l'aspiratron saute ici, on a évité un petit peu son doskoy X, encore dive kick peut-être, doskoy, hein, c'est bien joué, le sonic, boum, là il se l'est mangé, du coup je m'approche, passe devant, passe derrière, dive kick qui va toucher maintenant, passe derrière, enchaînement de dive, petit pied, petit point, bah même point, sonic boom, le gros point maintenant, ça ne passera pas, dragon punch automatiquement sur le doskoy de Honda, on peut plus trop sauter Honda, sinon c'est l'ultra qui va rentrer! Oh putain, Souya, ça serait rentré! Ça va être super tendu pour moi. Que va-t-il faire? Saving sur garde? Peut-être non. Doskoy, c'est bien joué encore une fois. Saut au moyen point. Tac, 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 ça récupérera pas malheureusement. C'est un peu trop loin. Pour l'instant, Malang qui est bien parti pour prendre le premier round. Pas d'erreur, hein, pas d'erreur, pas d'erreur. Pile driver, ça passera pas non plus. On recule. Attention au Doskoy, Sonic Boom, l'aspiratron. Alors, bon, il y a plus de sang. Putain, bien joué. J'ai voulu dragonner, mais j'ai pas osé. Je me suis dit, il va pas tenter. Et du coup, c'est une balle de match. Balle de match pour Malorn. S'il remporte ce round, évidemment, ça va être tout bénef pour moi. Le Pal Driver qui va maintenant rentrer. Dash avant, le dragon s'est cancellé. Bien joué le coup de cul. Mais c'est un autre Pal Driver, hein, bien sûr. Les options de 7 sont tellement immenses. Le dash arrière, le Sonic Boom. Allez, son gros pied téléporte maintenant. Le Sonic Boom qui fait entier. Encore un Sonic Boom. On recule, on avance. Comment veux-tu, comment veux-tu? Que je te tue. Eh oui. Allez hop là, la chope maintenant. Le dive kick, ça passe derrière. Moyen pied qui va peut-être faire entier ici. On attend un petit peu d'osco. Il y a une punition avec le high punch, bien évidemment. C'est complètement gratuit. Enchaînement de light. Dive kick maintenant qui va toucher. Double touche, on recule, on va un petit peu passer en l'air, on va vraiment jouer sur les nerfs de Malorn, on recule, on recule, on recule, attention pas de prendre Doskoy, le dragon, et non, c'est pas le dragon, c'était une feinte, c'est un pal driver, et c'est quasiment terminé, attention à l'ultra quand même à la relever, et le Shoryu, il a pas touché. Oh putain, j'ai eu chaud, il aurait pu mettre l'ultra, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu avoir beaucoup mal, et non, évidemment, le saut un peu trop grillé de la part de Honda, il aurait dû mettre l'ultra ici, Malorn, hein. T'aurais dû me foutre l'ultra. Parce que l'ultra, tu m'aurais fait tellement mal. Et du coup, c'est une balle de match, un balle de match pour DVD. High Punch qui passe maintenant. Si je passe, si je réussis à rentrer un peu tous les mind games de Honda, de 7, pardon. L'aspiratron, c'est évité par un dragon, par un saut, pardon. Putain, double piano super, ça fait tellement mal à ma barre. Doskoy. Attends, ça passe derrière. La petite piano input. Le HK maintenant qui va rentrer, on recule. Ça va être super chaud, ça va être super chaud. J'ai pas beaucoup de solutions, j'ai pas beaucoup de solutions, j'ai pas beaucoup de solutions. Faut que je trouve l'ouverture. Oh non! Malorn qui me tue. Tu me tues. Oh là 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 là. Fuck. Bah voilà, c'est Malorn 01 qui remporte donc ce tournoi. Il m'a tué. Il m'a tué tout simplement. Je l'avoue, bien joué. Honnêtement, hein, je vous laissais un petit peu de l'arnaquer. Ça n'a pas fonctionné. Malorn donc qui est tout simplement le champion de la O-Gaming TV. Voilà. Alors, je vais mettre Injustice. Tout de suite, on va switcher. Ne bougez pas. Je laisse Malorn et sa victoire. Voici une musique spécialement pour Malorn. Le temps de brancher la Xbox. J'arrive tout de suite pour du Injustice. GG Malorn. A tout de suite. Allez, on arrive, on va mettre l'image tout de suite, en théorie ça va popper, 1, 2, 3, hop là, la Xbox qui vient de up, en plus avec une grosse pub sur la Xbox One, voilà, hop, allez, on va partir du Injustice, let's go, sur la O-Gaming TV, Injustice, les dieux sont parmi nous. Oula, c'est quoi ce logo Mortal Kombat 9? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Hop là, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une mise à jour! 7 mégas? Waouh! C'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a une mise à jour de 7 mégas? Une nouvelle mise à jour. Oh, peut-être, qui sait, un correctif? Attention, je suis en train de m'exciter, je ne sais quoi. Un correctif, peut-être, du live? Oh! Peut-être, qui sait. Ce serait tellement magnifique. Pourquoi pas. Alors attention, je suis en train de me faire peut-être des... Peut-être que je rêve, hein. Mais peut-être que Injustice... Peut-être qu'il a un patch correctif. Parce que 7 mégas, ça me paraît quand même beaucoup pour un perso, je trouve. Hein. Alors appuie sur Star. J'appuie sur Star. Voyons voir.
Ah, pour Batgirl? Oh, fait chier. Il n'y a pas un patch pour améliorer le online? Je vais donc vérifier tout de suite. Je vais donc aller voir vite fait dans les bonus. Voyons voir ce qui est disponible. Alors, Batgirl 400 points. Bah non, Batgirl, en fait, il faut le télécharger. Donc là, j'ai pas téléchargé un patch. Là, je viens de télécharger aucun patch puisqu'il y a marqué Batgirl, faut le payer. Donc ça veut dire que j'ai pris un patch. J'ai rien pris en fait là. Ah, d'accord, je comprends pas. Bon, écoutez, on va faire un test. Le mieux, c'est de faire un test. Allez, on va sur le live tout de suite. Ton contenu est obsolète. C'est pas possible. Attends, j'ai branché Injustice tout à l'heure. Pourquoi il me dit que ça marche pas? Je rêve ou je rêve? Oh là là, mais c'est pas possible. Elles sont où les téléchargements actifs? Sont où? Po, 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 165 mégas. Non, mais ils sont sérieux, les mecs, ou quoi? Oh, fait chier. Bon, laisse tomber. Allez, on va faire autre chose. Bon, machin bah, guignol. Bon, prochain guignol. Bon, écoute, du coup, on va juste faire quelques petits trucs en attendant que le patch se termine. Alors, on va jouer avec le Minou. Catwoman a enfin trouvé la Batmobile. Gagner avec une deuxième barre de santé pleine. On va prendre Flash, tiens. Flash. Attends, je vais juste voir si ça va vite ou pas. Qu'on lance pas des trucs pour rien. Non, c'est pas des récompenses. C'est ici. Téléchargement actif. Je suis à combien de mégas là? Voilà, 12%. Ouais, je l'aurai jamais quoi. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va donc faire un petit peu. On va faire. Je suis désolé, mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Donc, on va juste, comment dirais-je, bah, on va faire un peu de. On va faire un focus sur un perso. Je suis désolé, je pensais pas que ça allait être comme ça. Je voulais faire un peu des combats. Et là, du coup, comme c'est pas à jour, et ben, c'est foutu. C'est foutu. Bon. On va poser, bah écoutez, hein, puisque vous êtes sur le chat, allez-y, on va faire un petit vote à l'arrache. Donc pas de food, hein, donnez tous votre avis. Quel perso vous voulez voir un petit peu quel perso vous voulez voir un petit peu qu'on voit la dernière fois on avait vu Flash, on avait vu Catwoman, on avait vu aussi Batman, je crois, on avait vu Aquaman, on a vu comment dirais-je allez, on va dire en gros, on avait vu qui encore? On avait vu Ares, je crois, Lex Luthor. J'ai bien envie de tester Black Adam pour voir. Black Adam, il est pas mal a priori, hein. Il est quand même assez craqué. Faut savoir que Lobo, je ne l'ai pas. J'ai aucun DLC, hein. J'ai aucun DLC. Donc voilà. Qu'est-ce que je lis là? Lobo, je l'ai pas. Queen, Queen, c'est elle. Elle est où? Elle est là. Harley Quinn, Deathstroke, Flash, Joker, Solomon Grundy. Alors Queen est pas mal. Solomon Grundy, c'est un chopper, hein, il est un peu relou. Bon, allez, je vais prendre au hasard. Bon, on va prendre Bane, Black Adam, pardon. Allez, Black Adam. On va jeter un petit coup d'œil sur le personnage, voir un peu ce qu'il peut faire. Aquaman, c'est mon main, hein. C'est le perso que je joue. Ah, alors, Black Adam, voyons voir un petit peu. Hein. Black Adam, il a son. Ce sorte de truc de satellite, un petit peu comme Rose. Voyons voir un petit peu Black Adam. En attendant un petit peu que le truc se finisse, le téléchargement. Alors, Black Adam, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est un boule arrière. Ça, c'est la boule. Ça explose? D'accord. Ok. En ex, ça fait tomber. Ça, c'est la boule. Ça fait quoi en ex? Ça fait rien. Ok, je regarde vite fait les coups qu'il a. Hein. Alors, Black Adam, c'est un coup qui apparaît un perso bien, 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 bien fort. Liste des coups, très rapidement, coups spéciaux, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a ça, 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 il a ça. Et enfin, il a. Ah oui, il a ça. Ok, donc, voyons voir. Il a boule avant X. C'est quoi ça? C'est électrocution. D'accord. Pas de problème. Boule arrière X, c'est quoi? D'accord.
Ça, c'est vraiment assez violent parce qu'on voit rien en fait, hein, au niveau de son animation. C'est assez craqué quand même. Vous voyez, il fait une boule comme ça un peu de loin. Ah, la boule arrière. Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est une sorte de dragon, hein, j'imagine. Fais voir. Non, c'est pas ça, pardon. C'est celui-là. Ouais, et si je le fais en ex. Et il fait 2 hits combo et il peut récupérer, j'imagine. Ouais, il peut largement récupérer. Hein. Tac. Ouais, tu peux récupérer, je pense. Attends, je vais juste essayer quand même. Pour être sûr, de plus faire air combo. Ouais, tu peux récupérer, c'est clair et net. Ensuite, ici, là, il a frappé clair. C'est boule avant et X et Y, pardon. Quand tu fais en X, ça fait 2 hits combo. Boule arrière A. Ça, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Attends, boule arrière. Ah oui, c'est en l'air. Ah oui, d'accord, il a un death kick en l'air. Et boule avant. Ah oui, d'accord, c'est vraiment violent. Hein. Boule arrière A en l'air. Et boule arrière, boule avant, ça fait ça. Et en X, ça fait quoi? Ça fait tomber au sol. Non, voilà, et quand je le fais en ex, ça vient au sol. D'accord, ok. Bah écoutez, Black Adam, il est quand même pas mal. Il a des bons dive kicks. C'est un peu craqué, ça, quand même, le dive kick. Tu peux jouer vraiment en zoning. Là, tu as une boule. C'est quoi, ça? C'est la boule au sol. Ça, c'est craqué aussi. Si tu le fais en ex, il tombe par terre. Oh, tu peux même récupérer full screen. Non. Voyons voir. Ah si, tu peux récupérer full screen. Waouh, le mec, c'est un truc de fou, ça. T'es full screen, le gars. La boule, elle rentre. Alors, tu peux récupérer comme ça, dive kick. Oh là 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 là, ouais. Le perso, à mon avis, Black Adam, il est bien puissant. Hein. Il me sent bien. Est-ce qu'il a un cross-up? C'est important. Non. J'ai eu peur. Ah si, c'est un cross-up, non? Ah si? Oh putain, il a un cross-up, le porc. Faut voir si je le fais bien tard. Ouais, c'est cross-up. Ah ici. Ah, c'est cross-up. Oh, il a un cross-up, le perso. Ah, il a un cross-up, il a une boule craquée. Et en plus, il y a un défi craqué. D'accord. Bah, Black Adam, à mon avis, c'est pas un guignol. Il mériterait, je pense, il a un peu d'attention. Alors, téléchargement actif, on en a combien? 54%. Ouais, putain, il est déjà 19h49. Je suis censé rendre l'antenne à peu près, comment dirais-je, à 20h, 20h30, pardon. Black Adam, donc, hein, pour l'instant, on voit quand même. Et son buff, c'est quoi? Des sous-satellites, on va dire. Est-ce que ça disparaît? Je ne pense pas. Ça reste comme ça. Ouais, ça disparaît au bout d'un moment, d'accord. C'est une sorte de protection en fait qui fait les dégâts. D'accord, ok. Donc là, c'est bah, gros point. Oh, la vitesse, il va quand même assez vite. D'accord, on a vu un petit peu pour les coups. On va regarder vite fait liste des coups ici. On va retirer les coups spéciaux. Tac, 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 tac. On va voir un petit peu les combos. Alors, on va faire les combos simples. Celui-ci, celui-là. Celui-ci, non. Celui-là, celui-là. Il a pas mal de combos un peu différents, comme on peut remarquer. Il a quand même pas mal de combos. Hein. Alors voyons voir. Ça, c'est un peu classique, mais je pense que tu peux enchaîner derrière. Ok. Alors, après, c'est YYA. Ça met au sol cash. YY arrière X. Ah, oh, bah ça, c'est un combo craqué, bien sûr. Est-ce que tu peux faire YY? Attends, YY. D'accord, tu peux enchaîner. La vraie question est de savoir est-ce que les coups de Black Adam sont safe. C'est ça qui est très important. Liste des coups, les coups spéciaux sont là. Alors ça c'est moins 3, ça c'est moins 26, ça c'est moins 3, moins 13, moins 15, moins 15, 110. D'accord. En fait, ça veut dire que si vous faites ce coup là en garde, on va voir tout de suite, c'est lequel? C'est boule avant, c'est celui-là. D'accord, il est à moins 3. D'accord, on va voir si c'est en ex. Ok, d'accord. Donc on va juste faire un test pour voir si Black Adam... Alors, option de l'IA, on va faire enregistrer. Attention, saut vertical. Et je reste en garde. Attention, on reste en garde. On met star. Option de l'IA, on fait revoir. Est-ce que le coup est safe? Ah merde, faut que je mette ma garde, je suis bête. Allez, mets ta garde, guignol. Déjà, c'est... Oh putain, mais c'est safe, ça. C'est bien ça, c'est bien ce que je pense. C'est safe. Impossible de punir. D'accord. Donc Black Adam. C'est-à-dire qu'en fait vous faites des combos. Et si ça rentre, et ben vous faites ce coup-là. Ah putain, Black Adam, franchement, je pensais pas du tout. Hein. J'avais aucun a priori sur lui. Mais honnêtement, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, en plus il semblerait avoir un cross-up. Ouais, un bon cross-up même. Quand tu fais tac, tac. Si combo il rentre en garde, tu fais ça. Et si le combo il rentre pas, et ben tu peux choisir en fait de faire ça. Tac, tac, tu l'envoies en l'air et sûrement le combo qui suit. D'accord, ok.
Le patch note du jeu. Ah, c'est quoi ça? Tiens, on va regarder vite fait. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le patch note du jeu pour voir un petit peu après. Je vais juste voir si c'est marqué. Est-ce qu'il y a marqué que le online il a été corrigé ou pas? Jeu Injustice, website. Je regarde vite fait. A priori, il semblerait qu'il n'y ait pas de. Il n'y ait pas de. Fixed player. Il n'y a pas marqué hein, que le online a été un petit peu changé. Oh, il semblerait qu'Aquaman a été nerfé. Aquaman Waiter, c'est quoi ça? 2 secondes, Acronym Ability to Punish. Ok. Ok, donc ça veut dire que. Ok, d'accord. Bon. A priori, il n'y aura pas de changement sur le net. Il n'y a pas beaucoup de changements. Bah tant pis. Bon, allez, on va aller faire un tour sur le live. Puisque du coup, maintenant, c'était ça qu'il fallait faire. Mais malheureusement, j'ai pas pris la mise à jour. Et c'est un peu dommage. Allez, 95%. 96. On y est presque. Désolé pour ce petit fail. Allez, je vous balance un tout petit jingle et j'arrive tout de suite. Ne bougez pas. C'est une loose que je viens de faire. J'ai mis un trailer Super Street alors que j'ai fait du Injustice. Excusez-moi, j'ai un peu buggé. Bon, le téléchargement est terminé du patch. Par conséquent, on va pouvoir aller tout de suite sur le online. On va regarder tout de suite. Défi du jour, réussir une série de 10 victoires en matchmaking. Pour l'instant, j'essaye juste de regarder un petit peu. On va un petit peu check une salle. Alors, y a-t-il une salle France? Il n'y a pas de France, malheureusement. On va donc aller chercher tout de suite une salle. On va faire un petit peu un match à making d'amis pour voir un peu. On va chercher un petit peu un joueur pour voir s'il y a moyen de game vite fait. Alors sur le patch note, il n'est pas indiqué qu'il y a l'amélioration du online. Un player non recevait à l'ose. Non, ok. Player, non, pas de problème. Non, il semblerait que le online soit n'a pas bougé. N'est pas trop bougé. Ok. Ok. On attend donc un adversaire. Ouais, le patch note, il ne dit rien de spécial. Alors, il n'y a personne pour faire des matchs sur le Xbox? C'est pas possible. Bah merde alors. Bah alors, c'est pas possible. Il y a quand même une personne dans ce monde qui peut jouer avec moi. Je me sens un peu seul, hein. Bon. On va rejoindre une room. Beginner only. Je sais pas moi, on va prendre celui-là. N'importe quoi, je veux juste quelqu'un, je veux pas grand, je veux juste quelqu'un qui a une bonne connexion. Ça déconnecte tout bidon. Elle est morte. On a une salle encore une fois. Je crois qu'on va aller faire du ladder, ça ira plus vite. Blackgate, on va aller là pour voir un peu. Je suis tout seul. Ils sont où les joueurs? Ah, les v'là. Oh là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Alors, lui, il a une connexion qui est moyenne. Lui, elle est pourrie. Alors, tu vois, par exemple, ce qui manque, c'est un filtre. Hein. Un filtre pour filtrer justement les connexions qui sont indésirables. Malheureusement, je vais tous me les taper. Connect-moi-y, connect-moi-y, connect-moi-y. En fait, il faut prendre des mecs qui sont en vert. Hein. Alors, lui. Oh, lui, il est bien, lui. Il est très bien. Allez, je défie ce joueur. Il a une connexion qui est à 5. À 4, pardon. Allez, s'il te plaît, accepte. Ah, super, merci. Voici donc l'une des meilleures connexions du jeu, puisque j'affronte un des joueurs qui a une très bonne connexion. Ah oui, là, c'est bien, c'est vachement fluide, a priori. Allez, on prend Aquaman. Il a pris Green Lantern. Je vais juste retirer les notifications vite fait, pour pas être embêté pendant le stream. Notification. Hop, voilà. Allez, on a pris une map au pif. C'est parti! Attention, il est niveau 58. Aquaman versus je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Jimmy.
Took My Vecard. D'accord, un pseudo qui est un peu relou. Ouais, pour l'instant, on attend un peu. Ouais, voilà, ça passe. C'est un petit peu de gérer. Bien joué la boule. Il ne passera évidemment pas. On attend un peu pour l'instant. Je regarde, non? On attend un peu les conneries. Il va sûrement prendre le décor. Allez, attention, pas de bêtises. Et ça gratte, bien entendu. C'est Honda, hein. Honda en version Aquaman. Là, c'est le zoning qui prime. On n'a pas trop le choix. Pour l'instant, on va essayer de punir. Ça ne passera évidemment pas. Son vertical high punch, ça passera pas non plus. Allez, le swipe punch, ma petit point, le piano X, bien sûr, ça va gratter, ça rentre complètement. On recule toujours sur un gros point. Les décors peut-être ici. Le trident qui passera évidemment pas. On attend toujours et encore de ce petit point. On essaie un petit peu de le gérer. Ça passera pas non plus. Le bas gros point tir, non. Et encore une fois, le saut du trident, ça passe, ça aussi. Allez, on essaie d'un peu de l'envoyer en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus beaucoup de PV. Le premier round est quasiment pour moi. Hein. Allez, le coup du trident qui ne passera toujours pas. On fait l'invocation de l'eau, hein, c'est gratuit. Pas de problème. Encore un coup de trident, ce vertical high punch. Et c'est terminé. Par Neptune. Et il essaie un petit peu de me choper au sol, mais ça ne passera pas toujours pas non plus. Pour l'instant, on est quand même bien parti pour le rendre ouf. Allez, il fait son clash. Allez, je claque aucune barre. Je laisse son clash se faire. Pour l'instant, il a gagné 15% de PV, mais c'est pas énorme. Alors que moi, j'ai pris quand même, j'ai encore pour l'instant ma première barre de up. Voilà, ça rentre évidemment. Et du coup, ça va être plus dur pour lui. Hein. Oh là 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 là, il prend cher, il prend cher. Bien joué, ça, le target combo. Le launcher, pardon. Il va me faire peut-être mal ici. Il va sûrement prendre les décors, mais j'ai sauté. La petite boule, non. On attend un peu l'erreur de Jimmy Toc machin. Le bas gros point entier, il passera pas non plus. Vertical High Punch qui passera pas non plus. Et je suis probablement mort. C'est K. C'est le cas. Et du coup maintenant c'est une balle de match. Hein, puisque du coup les deux joueurs, j'ai sauté. Putain j'ai sauté, pourtant c'est un esquivable ça. Hein. C'est quand même fou. Bien joué ça, Green Lantern. Allez on va clasher maintenant. On clash, on clash. Tu ne battras pas ma volonté. Du coup je vais récupérer 30% de points de vie. Voilà. Allez le trident. Encore un trident. Encore un trident, c'est gardé. Le saut punch qui passera toujours pas. Bien joué, ça, le projectile qui rentre. C'est une sorte de cookie ce gars-là. Hein. Alors que là, on a le temps, hein, le time over. Ah putain, ça passait. Oh putain, je vais me prendre cher ici. J'ai pris bien cher. Ah, j'ai carotté. Le trident X. Et c'est fini. Eh bah dis donc. Je l'ai eu. 1-0. Allez hop. Tiens bah, justement il a pris Black la Dame. Le clash c'est lorsque tu... En fait, le clash, c'est que dans le jeu, vous avez deux barres de vie dès qu'en fait on perd la première barre, la barre qui est grise, celle qu'on voit en haut et en voilà, il y a une barre grise là-haut, il y a une barre rouge juste derrière. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous arrivez à la barre rouge, eh ben vous avez automatiquement la barre de clash qui est activée une fois en fait sur le deuxième round, et ça vous permet en fait de pouvoir riposter. Attendez une seconde, je vous expliquerai un petit peu après parce que lui il me paraît chaud. Ma petit point ici, on va essayer de le pianoter. Allez, saut point. Ma petit point et ça va gratter. Il n'y a pas de punition possible. Ma petit pied. Attention, pas de bêtises. Allez, vous avez vu le cross-up comment il est gardé. Il est chaud quand même. Hein. Allez, je fais son trait, ça sert à rien du tout. Le bas gros point ici qui fait entière. Et le X qui va sûrement gratter. On recule un peu, il n'y a pas de punition, toujours et encore. Le trident qui passe. Attention, full screen, ça passera aussi. Ouh, ça fait entière ça. Il n'a pas de chance. Je pense que là il est mal barré. Allez. Bah gros point qui passera pas. Oh là là, il est chaud. Il connaît bien Black Adam. Hein. Et met le trident qui fait foi. Je ne plaisante pas. Allez, on saute. Et ça rentre. Il a pas de chance. Il a perdu beaucoup de PV ici. Beaucoup de vie, hein. Beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Il a clashé. Ressens la puissance des dieux. Poséidon t'emporte. Poséidon t'emporte, mec. Et boum! Qui va gagner? Choc nul, hein. On a misé les deux barres d'énergie du coup.
Il est quasiment dans la merde maintenant. C'est quasiment terminé. On passe en dessous de la shop peut-être. Hein. Bah, petit point, le canon input qui va gratter, bien entendu. Arrière avant, bien sûr. Il a essayé de me dive kick, mais ça ne passera pas. Il va sûrement sauter. Il saute pas. Dive kick encore une fois. On essaie un petit peu de le gérer. Ça passe devant, derrière. C'est bien gardé, ça aussi. Dive kick. Hein. Putain, la vitesse du dive kick, c'est pire que Camille. Attention à la voiture, encore une fois dive kick, le back rope entier, attention il a gardé, c'est mort, c'est fini, il a perdu, et c'est KO, voilà. Voilà, 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 Aquaman qui pour l'instant est en train de gagner, en tout cas il a une bonne connexion, ça fait plaisir, ça marche relativement bien. Et il continue, c'est cool. Allez, je vais garder Aquaman pour l'instant. Eh bah tiens, Solomon Grundy. On va se battre à Gotham City pour voir un petit peu ce que ça va donner. Attention. Il est chaud comme joueur celui-ci. Oh là, il est habillé en costume un peu chelou. Le trident sur garde. Il a esquivé. Pas mon tour. Il a esquivé aussi. Ah, fuck. La touche. Solomon Grundy. Allez, bah, gros point tiers. Attention à la relever. Allez, saut point encore une fois. J'attends un peu les erreurs de Solomon Grundy qui pour l'instant prend son temps. Et là il se fait carotter, hein, évidemment. Laisse un petit peu de le gérer. C'est un petit peu. Parce que attention, lui c'est un chopper. Hein. C'est comme Zangief. Hein. Il chope une fois, t'es mort. Hein. Tu prends cher. Ça on va le garder, y'a pas de problème. Quand ça rentre, ça fait mal. Soumets-toi, il a dit. Voilà. Tiens. Allez, j'ai gratté au maximum. Je ne plaisante pas, il reste maintenant 60 secondes au compteur. J'ai l'avantage à la vie, on va être tranquille. C'est un petit peu de le gérer, on esquive ça. Le trident sur garde, le dash avant. Et on va le gratter bien entendu. Le bagro point entier qui fait double touche, hein, mais toujours à mon avantage. Le saut point toujours et encore. On esquive un peu tout ça. Ah non, j'ai esquivé. Dash arrière, ouh, j'ai eu chaud. Hein. J'ai eu très chaud. Allez, saut petit pied. Bah, petit point, le piano input qui va gratter encore une fois. Le bagro point entier, bien entendu. Et ça va gratter au maximum, on fait un dash arrière, pour l'instant on est complètement opérationnel. Solomon Grundy qui a du mal à s'approcher hein, bien entendu. Putain mais je reste en garde quoi, c'est fou hein. Allez, le trident qui passe maintenant, on empêche un petit peu de faire le zoning avec ses coups au sol. Le bas gros point entier, il est un peu fermé le versus. Il prend cher Solomon Grundy. Il prend très très cher, le saut pied. Dash arrière peut-être. Ça va rentrer peut-être, non, on recule. C'est chaud peut-être, oui non. Ah putain. Je t'ai craché. Oh là là, double avoir break. Mais c'est, je suis mort. Je vais clasher, il faut que je clash. Est-ce qu'on peut clasher à ça? Voilà, on peut clasher. Allez, c'est bon. Grundy te massacre. Allez, on récupère de la vie. Le trident qui fait entier. Encore un trident, c'est gardé. Dash avant. On va se choper ici, hein. On chope pas malheureusement. Qu'est-ce que je fais, DVD, calme-toi. Le trident ici en entier, en anti... en réflexe. La chope. Oh ouais, voilà, paye ta barre. Il reste 8 secondes. Et le bas gros point, bien sûr. Pas de problème. En tout cas, le stream n'est pas très beau. Hein. C'est parce que j'ai pas la fibre optique. Donc... Ah bah il s'en va, ça y est. Il fait 3 parties et il part. Ils font chier les joueurs. Hein. Pour une fois qu'il y a une bonne connexion, le mec il se barre. Bah du coup, on verra pas la suite. Il est quelle heure? 20h07, on a le temps encore. Hein. Alors voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Brian, 261, bah lui c'est mort. Ensuite lui il y a une connexion pourrie. Lui pareil. Alors lui il a combien? Il est naze. C'est lui que j'ai affronté, non c'est pas lui. Oula! Il y a une bonne connect. Alors qu'il y a un mec qui me défie. On va y avoir son... Quelqu'un te défie. Allez, c'est parti. Il a une très très bonne connexion. Attention. On me défie en direct sur la OGaming TV.
Je suis où moi? Ah, je suis là. Je prends Aquaman contre Joker. Tu as pris trois fois le même perso alors que lui a changé à chaque fois. Bah écoute, c'est le but de jouer un main, hein, c'est le but de jouer un personnage pour s'entraîner. Moi je joue Aquaman, c'est comme ça. Il est chaud lui. Balayette. Le trident qui va rentrer maintenant. Le cross-up qui passe. Évidemment. Le Joker. Là, il prend cher bien entendu. La baillette peut-être qui a passé, le cross-up peut-être aussi. C'est gardé, tout est gardé pour l'instant. Encore le cross-up. Le bas gros point entier. Pour l'instant il se fait un peu vortexer. Allez. Et c'est fini. Allez, bas petit point piano. Par Neptune. Il n'a pas le droit d'approcher d'Aquaman, hein, bien sûr. Allez, tu prends ça. Le trident qui fait entier. Le saut petit pied. C'est gardé. Encore le saut point. Très bien joué ça. Recule un peu. Oh là 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 là, ce qui prend, ce qui prend. Un petit point, décalage chop, c'est terminé. Prend super cher hein, pour l'instant. Le fou dans le corner. Le bas gros point, le bas gros point, le bas gros point, le bas gros point, le bas gros point. Ça y est. Victoire pour Sylvanas. Poséidon t'emportera. Allez, come on, baby. Moi, je garde Aquaman, hein. C'est mon main. Bah, moi je pars du principe que jouer un personnage pour l'apprendre complètement c'est une bonne chose. Et puis ça permet aussi indirectement de travailler le match-up. Tu vois, par exemple la Joker j'en affronte pas beaucoup. Je me dis que Joker finalement c'est un perso qui demande... Voilà, là, ouais, peut-être nous défoncer la gueule. Voilà, tiens, prends ça. Le trident sur garde. Attends un peu. Les dentiers. Bien joué. La chope. Allez, pour l'instant, on le fout dans le coin. Allez, on le dégage un peu dans le corner. On fait le saut-pied. Un petit point, le piano input. Un petit point, décalage chop, ça passe. Hein. Pour l'instant, il se fait un peu prendre au dépourvu, les pauvres Joker. On passe derrière, un petit point, le piano qui va gratter. Enfin, faut pas jumper, hein. Bien joué, ça. Je sais pas ce que c'est comme coup. En tout cas, ça fait bien mal. Hein. Allez, encore une fois, ça va gratter au maximum. Bas gros point entier qui est cassé. En fait, c'est pas un bas gros point suivant les persos à quoi maintenant. C'est fini. Attention, le petit point piano input. Et il va se faire gratter. Évidemment. Je plaisante pas, bien sûr. J'étais sûr qu'il allait prendre le décor. C'est pas grave, on prend son temps. Le bas gros point qui ne passera toujours pas. Pour l'instant, on est vraiment opérationnel. On attend un peu l'erreur d'Aquaman. De Joker, pardon. Il n'y a plus beaucoup de vie. Hein. Il prend ici le trident. Le bas petit point. C'est gratté. C'est gardé, pardon. Ouais, bien joué. Putain, ce coup il est vraiment très violent. Il met une sorte de trick en l'air, je sais pas ce qu'il faut avec sa trick. En tout cas, ça passe. Et là, Aquaman, pour l'instant, il a trouvé un peu les ouvertures. C'est chaud peut-être. Non, c'est bon. En tout cas, il rate pas ses combos. Allez, j'ai fait le Hex. Bon, dernière seconde, hein, il s'était mangé. Ouais, bien joué, bien joué. Ouais, le coup de massue, je sais pas quoi là. Ouais, le décor. On balance le trident. On attend un peu le coup de fusil là. On s'en fout, on attend. Un petit point. Le piano. On essaie de l'envoyer en l'air. On dash arrière. Tiens! Il joue bien en tout cas avec Joker. Hein. Il joue vraiment pas mal.
Je vais essayer de. Oh, Arès. Alors, Arès, il est super balèze. En théorie, c'est un des contres de Aquaman. Je pense qu'il le sait. Il va changer. Même Green Lantern, hein, c'est un contre complet d'Aquaman. Ça va être un peu délicat. Alors attention, Aquaman est un personnage qui joue excessivement en fait défensif. Alors qu'Arès, lui, il a vraiment un panel de coups assez impressionnant. Notamment celui-ci, qui est une sorte de. Qui est une sorte de. Voilà. En fait, c'est une sorte de séisme, hein, comme Viper dans le Super Street. Qui permet en fait de pouvoir de casser la garde. Hein. Là en fait je viens de le minder. On met dans le corner et du coup maintenant il est un peu en dépourvu. Voilà, le combo qui va toucher. Évidemment ça fait très très mal. Hein. Quand ça rentre, ça fait bien mal. Ce vertical high punch qui fait double touche. Pour l'instant on a récupéré un peu. Oh c'est garde haute ça. Garde haute ou garde basse? Garde haute, d'accord. Ok, c'est garde haute. Pour l'instant il bourre. Le bouclier d'eau qui absorbe les boules. Ouais, le petit point, on attend un petit peu la téléporte, allez rentrer. Ouais, bien joué ça. Putain, c'est vachement traître au corps à corps. Arès. Ah, c'est garde haute aussi. Je sais pas trop ce que c'est comme garde. Ouais, le trident X, ça passera pas. Putain, la vache. Non, la téléporte chope. C'est classique, hein, mais ça marche. Allez, tiens, prends ton missile dans la tronche. Un petit point. Eh, hey, j'ai touché. Bien joué. On va essayer de prendre les bouteilles de propane. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait dash avant shop. Il est en train de me détruire, hein, la gueule pour l'instant. Il va falloir un petit peu que je commence à clasher. Pour l'instant, on décale la shop comme un Street Fighter. On fait un classique. Hein. Le classico shop. Attention, on saute. On prend le missile. Il a esquivé. Hein. Très bien joué. Dash avant peut-être ici. Bah gros point. Putain, j'ai fait pas gros point dans la téléporte. C'est même pas sorti. Ça va être difficile pour moi de revenir. Il va vraiment falloir qu'il se prenne tout un peu dans la tronche. En beauté, on va prendre la caisse, il a pas pu l'esquiver. Du coup, maintenant la téléporte. Mais j'ai refait ma petit point, hein. C'est incroyable. Il est en train de me gérer, peut-être pas ici. Allez, c'est bien joué ça. Le combo, peut-être. Non, il a bien gardé. La boule qui va peut-être pas toucher ici, ça va être super chaud. La téléporte, ma petit point. Le trident avec, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Allez hop, c'est fini. C'est terminé. Alors c'est pas très beau, hein, encore une fois je le répète parce que évidemment j'ai pas la fibre optique. J'aimerais tellement l'avoir, mais là pour l'instant c'est mort. On va essayer de jouer avec Lex Luthor. Alors, on va faire un miroir, non. Moi je prends Lex Luthor. Allez. Lex Luthor. Alors, hop. Tiens, hop, j'en ai banni un. Allez, Lex Luthor contre Lex Luthor. Un miroir. On va se battre. Putain, il est beau son costume alternatif. Eh bah, petit point, on essaie un petit peu de le minder là-dessus. On recule un peu. On va prendre la moto. On lui fout en pleine gueule. Moi, je suis à droite, hein, pour info. Bien joué ça. Le bagro pour un tir qui est cassé, malheureusement. La balayette maintenant. Et saut point. Alors sur ce point il est complètement craqué, hein, il faut savoir ça. Bien joué. C'est un perso à zoning, complètement. Il est un peu relou. Voilà, bien joué ça. C'est un peu, c'est un peu le perso de ouf quand même. Hein. Attention à ça, la charge. Le bas point. Allez, c'est rentré. Bien joué ça. Lex Luthor, bien sûr. C'est pas safe ça, hein, pourtant. Et il le fait quand même à l'infini. Moi, je suis trop con en plus. La chope juste derrière. C'est un combat de molosse. Hein. Une autre victoire pour Lex Luthor. Ouais, le saut point qui va rentrer. Encore un saut point, le bas petit point. Ce vertical high punch, ce vertical high punch encore, toujours et encore. Attention à ça, bien joué évidemment. Il a rushé vers moi. De Lex Corp. Allez, il s'est pris ça. Oui, c'est le salopard. La chope maintenant. En fait, il chope super loin, un peu comme Zangief. Encore une chope. Là, il bourre pour l'instant. On va vite comprendre que bourrer, c'est pas bon. Bien joué. Super chaud pour ma gueule. Hein. La balayette qui a passé.
Enfin, dash avant direct. On met au sol. Que va-t-il faire? J'ai bourré, il est mort. Adios, amigos. Allez, on appelle la bombe H. Et c'est fini. Putain, la vache. Il s'est pris la bombe H en pleine gueule. Et ouais, c'est ça, hein. Quand on énerve Lex Luthor. Rudy, c'est bon. Convoquez le conseil. Projet source. Et qu'on vienne récupérer la combinaison. Il faut la régler. Allez, Lex Luthor, qui ici... je sais pas, j'aime bien Lex Luthor, mais je sais pas, j'accroche pas trop sur le bonhomme. Je trouve qu'il, comparé à d'autres, c'est un peu quand même violent. On va essayer... je suis où, moi? Je suis là, on va essayer Cyborg un peu. Cyborg. Cyborg. Lex Luthor. Allez, hop. Let's go. On a pris Cyborg, on va essayer un petit peu de jouer avec ce personnage là, qui est vraiment assez puissant quand même. Cyborg est assez balèze, je dois avouer. J'ai joué un petit peu autrefois avec, mais j'ai plus trop accroché. Il y a un dash monstrueux. Ah bah, ça commence vite. Allez, on va se prendre sa chope, on va reculer. Alors Cyborg, c'est un peu le spammer par excellence. Hein. Il va tellement vite ses boules. Arme verrouillée. Ah ça, on peut rien faire à ça. Putain la vache. Oula, 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 il est chaud. Putain mais il est chaud ce bonhomme. Je suis obligé de faire ça, on est spammé comme un porc. Oh, la chope qui m'empêche. Ah d'accord, le machin qui m'empêche de choper en fait. Putain la vache. Oh là, Koulia. En fait, il est fort ce mec là. Ouais, on met la chope là-dedans. Ça va être chaud là, hein, je le cache pas. Hein. Même pas esquiver ça. Ah c'est rien. Putain la vache, je suis en train de me dérouiller la gueule. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il m'a mis dans la gueule? C'est quoi ce bordel? Rudy, c'est bon. Convoquez le conseil. Projet source. Wow. La combinaison. Il faut la régler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bloc-up ce bordel là? Mais c'est violent. Putain, en fait, il m'a mis dans le coin et j'ai dash avant, mais j'arrivais pas à m'en séparer, quoi. Vous remarquez quand même que en haut, il y a Lobo qui est en haut à droite. Bon, je vais prendre Aquaman, tiens. On va revenir sur le main. Putain, la vache, c'est violent ce qui m'a mis dans la tronche, comment ça s'appelle, ce joueur là. Alors, on va prendre Aquaman, on va voir un petit peu avec le mate si ça va mieux. Allez, bah, petit point. Du coup, on va le gratter. Hein. On va le gratter avec. Ça passera pas ça. On va essayer un peu d'esquiver. Un petit point. La balayette qui a passé. On va le gratter tranquillement. Ouais, ça casse vraiment les combos au sens propre du terme. Hein. Bien joué à la relever. C'est pas safe ça, bordel. Mais c'est safe ou c'est pas safe? Putain, là j'ai oublié de comboter derrière. Lex Luthor. Tiens, prends ton piano dans la tronche. Bah, tiens, je pense qu'on va le taper de loin, on n'a pas le choix. Hein. Ah bah tu vois, je l'ai eu, ce petit jeu là. On va spammer un peu, tiens. Allez, spam, vas-y. Quoi, quoi, quoi. M'en fous, tu vas perdre. Eh oui, c'est moi le plus fort, j'ai de grosses boules.
C'est pas grave, t'as perdu toute ta vie. Rigole bien. Voilà, je peux même pas sauter, gros lard. Oh salaud. Clash, clash, clash. Voilà. Je suis la force d'Atlantis. Tu l'auras voulu. Tu l'auras voulu. Choc nul. Oh le porc. Oh, il est balèze en fait avec l'Exutor. Il est en train de me retourner la tête là. Ça va se prendre le piano en ex, c'est terminé. Oh le salaud. Un roi ne croit personne, ça va super jouer, c'est chaud. Qu'est-ce qui va se passer dans le clash? Il va mourir peut-être ici. Et voilà, il s'est pris le trident. Aquaman qui gagne. Bon allez, c'est le dernier. C'est le dernier, dernier match puisque là il est 24. Je vais donc libérer l'antenne dans quelques instants. Libérer l'antenne dans quelques instants. Je vais donc vite fait sortir. Merci à toi. Je vais lui envoyer un message pour lui dire bien joué parce que il est bien ce joueur. Je l'aime beaucoup. Je vais donc tout de suite lui envoyer un message amical pour lui dire GG. Il est où? C'est lui? Fix Wine, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, envoyer un message. Hop, je vais lui dire texte. GG avec un S, point exclamation, voilà. Allez, good game gars, c'est bien joué en tout cas, un bon joueur. On va donc aller dans l'accueil Xbox. Voilà qui est fait. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Alors encore une fois, je m'excuse pour la qualité. Comme vous avez pu le remarquer, c'est très moche. Parce que je n'ai pas la fibre optique. Elle est en train d'être installée dans ma résidence. Donc patience, elle arrive. Donc quand j'aurai la fibre, ce sera forcément plus beau les streams. Hein. Voilà. Donc très très rapidement, je vais répondre aux questions. Vraiment très rapidement, une ou deux questions histoire de voilà. Le combat de fou. Ah, il y avait une vidéo de présentation. Il prend plus à rien. Il y a su d'un joueur en direct. Tac 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 tac. Un bon joueur avec une bonne connexion, ouais, c'est vrai, j'avoue. DVD, c'est quand ton prochain stream par rapport à IRC, je streamerai donc, bah c'est en fait moi sur Eugaming, c'est tous les mercredis soir de 18h30 à 20h30. Voilà, j'ai qu'un créneau horaire sur Eugaming pour le moment par faute de temps. Ensuite, Superman a une armure. T'as combien en upload? Ah, je sais pas si tu parles à moi. Si j'ai combien en upload, j'ai 1 méga en upload. Pour pouvoir streamer, c'est pour ça. Ensuite, que penses-tu de la nouvelle Xbox? J'en sais absolument rien. J'ai vu comme toi un petit peu la présentation. Bah, je trouve que Xbox, c'est pas mal. J'ai pas conquis, mais j'ai plus apprécié, on va dire, la présentation de la Xbox que de la PS4. Ensuite, comptes-tu acheter la Xbox, enfin la nouvelle Xbox ou la nouvelle PS4? J'en sais rien. Je sais pas du tout, je compte acheter aucune console de toute façon, car pour moi c'est pas les consoles qui... Enfin, je veux dire, c'est les jeux qui font les consoles, et non pas l'inverse. Donc s'il y a que des jeux pourris, comme la Wii U par exemple, la Wii U, bah excusez-moi, mais c'est une console qui sert à rien, sans proprement parler. Donc j'ai pas acheté la Wii U, et je compte jamais l'acheter. Donc on verra. Je jouerai, si SF5 sort sur Xbox, j'irai acheter la Xbox. DVD, tu rends à l'heure. Attends, merde, ça c'est sur Skype. Je regarde juste vite fait, je demande si c'est bon ou pas pour pouvoir rendre l'antenne. Je rends donc l'antenne à 20h30. Est-ce que tu pourras faire du GoldenEye, un de ces quatre? J'ai beaucoup aimé ton émission sur GoldenEye la dernière fois sur Gaming. Pourrais-tu la refaire, un de ces quatre? GoldenEye, c'est full rétro. Hein. Donc, pourquoi pas, je ne sais pas, je verrai, pourquoi pas. Je confirme qu'il est 27, je vais rendre le stream dans quelques instants. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Persona 4, non, je n'aime pas ce jeu et je ne le streamerai pas. Qu'est-ce que j'ai comme console? J'ai la Xbox uniquement. J'avais la PS3, j'ai revendu. J'ai la Wii, même sert à rien. Et c'est tout. À quel jeu joues-tu en ce moment? Je joue à WoW, on va dire, pour me détendre un petit peu. Et je joue à Super Street. WoW pour le côté un peu
Kate machin, et Super Street pour le côté castagne. Quand tu essayais Schoolgirl, j'ai déjà essayé, j'aime pas trop. J'aime pas trop les jeux à la BlazBlue, Schoolgirl, tout ça, c'est pas trop mon truc. C'est des bons jeux, attention, hein, je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est pas trop mon truc. Demain, c'est meurs pas sans ton pif, et eh oui. Voilà, MK9 est confirmé sur PC, ouais, je sais. MK9 aurait dû sortir avant. Bon allez, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Il est 20h28. Je libère l'antenne. Je vous mets la boucle avec une belle petite musique. Et je vous dis donc, je vous dis donc tout simplement à la semaine prochaine. Quant à moi, enfin à la semaine prochaine pour moi. Mais surtout restez connectés pour la suite du programme. À bientôt. Ciao.